vous plaît, j'ai ouvert les commentaires pour que vous puissiez poser des questions par rapport au direct. Merci. Juste cela. Bon, j'ai presque fini tous mes réglages. Ok, j'ai presque terminé. Vous prenez de quoi noter, s'il vous plaît. Va parler de la sagesse financière aujourd'hui. Vous avez voté sur Zoom. Bonjour, bonjour, bonjour. Bon, vous avez voté tout à l'heure quand on faisait la prière. Vous avez demandé le sujet sur lequel vous voulez que je développe et ce sujet a arrangé beaucoup de personnes. Donc, c'est ainsi qu'on se retrouve là-dessus. Bonjour et soyez la bienvenue. Bonjour. Ok. J'ai commencé à enseigner sur la sagesse financière, ça fait quelques jours. Et je sais que ce que je vais enseigner peut vous aider. Malheureusement, c'est un sujet que beaucoup de personnes, si on mettait des formations, beaucoup de personnes n'iraient pas acheter la formation, n'iraient pas chercher, parce qu'on se dit qu'on n'a pas besoin de ça. Good morning, merci pour le cadeau. Je veux d'abord que vous compreniez que la vie, c'est comme l'école. Tu vois, à l'école, quand tu as 6 de moyenne, si tu étudies,
Qu'est-ce qui va se passer? La moyenne va augmenter, non? Supposons que tu as deux de moyenne. Tu prends des cours particuliers, tu étudies. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, Edith. Ta moyenne va commencer à monter. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, on échoue dans beaucoup d'aspects de notre vie parce qu'on n'a pas pris des cours là-dessus. Même dire qu'on prend des cours, c'est parce qu'on n'est pas éduqué là-dessus. Parce qu'on n'est pas enseigné là-dessus. Tu as échoué dans ton premier mariage. Ton deuxième mariage est en train d'échouer. Si les deux là échouent, tu n'apprends pas comment bien choisir, comment se préparer au mariage, comment fonctionner dans le mariage. C'est fort probable que ton prochain mariage, si ça arrive, que tu échoues encore. Donc je viens vous suggérer que peut-être que depuis tu es pauvre comme ça, parce que c'est pas seulement qu'on t'a maudit. De toute façon, tu ne sais pas comment gérer l'argent. Bonjour Nicole, merci pour le cœur. Et beaucoup d'entre nous, surtout en Afrique, on ne connaît pas comment gérer l'argent et on ne cherche même pas à savoir. Tu vas faire un direct comme celui-ci où tu vas enseigner peut-être des finances et tout ça. Les gens vont se dire, ah, moi, je n'ai pas besoin de ça. Ah, moi, je n'ai pas besoin. Je pars toujours du principe que il ne vous faut pas plus d'argent, il vous faut juste plus de savoir-faire. Vous n'avez pas remarqué que dans votre, peut-être dans votre quartier ou bien dans, tu as une tante que tu connais. Tu sais qu'elle touche 800 000 au mois, maximum. Tu connais un autre oncle qui est dans les 5 millions le mois. Tu connais l'autre qui est dans 100 000 francs le mois. Mais celui qui a 100 000 équilibre, c'est toujours ses chaussures. Mais tu dis, attends. Celui de 800 000 ou bien de 5 millions, il est toujours en train de. Il manque toujours, il y a toujours. Il y a quelque chose que celui qui a 100 000 a fait. Parfois, je vois mes employés, par exemple, je vois tout ce qu'ils font. Je dis, mais comment est-ce qu'on va faire votre petit salaire? Comment vous faites même? Comment vous en sortez en fait? Parce que vous savez que la société a beaucoup de choses, beaucoup de contraintes, beaucoup de. Oh, ça a fait ça, ça, ça. Tu vois, votre gars avec 100 000, il te dit qu'il a, il a acheté la maison, il a construit la maison. Ou bien il a acheté le terrain. Donc, tu n'as pas besoin de plus d'argent. Tu dois apprendre à gérer. Parce que l'argent, c'est une puissance, c'est une force. Tu dois apprendre à gérer la force qui vient en toi. Le succès, ce n'est pas la capacité. Le succès, ce n'est pas de dire que tu as beaucoup d'argent, mais le succès, c'est de mettre quelque chose sur pied comme projet et d'arriver jusqu'au bout. Tu planifies quelque chose. Ok. C'est celui qui est sur 100 000 le mois. Sa femme tombe enceinte. Dès le premier mois, il économise. Quand l'enfant vient, qu'il a déjà tout acheté. Il a tout mis de côté. Celui qui est dans les 500 000 au mois, qui monte et descend. Ouais. Celui-là est là. Dernier minute, il court. Ah, je n'ai pas, il me faut 500 000 pour la layette. Ah, je vais faire comment? Pourquoi? Parce que celui qui avait l'argent, beaucoup plus d'argent, ne savait pas comment se discipliner, comment planifier, comment prévoir et comment concentrer même son esprit. Il y a des gens qui avaient 100 000 francs de salaire, il fait sa tontine. Il sait que chaque mois, il met telle somme de côté. Donc les gens avaient le syndrome des mains percées là. Si vous regardez bien, oh, j'ai les mains percées. Chaque fois que je touche l'argent, je ne connais pas ce qu'elle fait avec. C'est parce que quand tu touches l'argent, tu n'as pas de projet sur l'argent là. Tu touches, quelqu'un dit, oh, il y a telle personne qui est malade. Tu avais prévu peut-être de mettre 400 euros de côté. Tu sors 350 euros sur ça. Te voilà en train d'envoyer l'argent qu'on fasse telle chose avec.
Le mois prochain, il y a encore telle chose. Oh, tonton, si tu ne m'aides pas, oh, je vais faire comment, tonton? Oh, tu sens encore tout 300 euros. C'est ça l'œil de tigre. Oui. J'en ai. C'est comme ça que tu te retrouves toujours avec un sentiment d'instabilité. Tu te retrouves toujours en train de courir. Parfois, je te demande, je cours même après quoi? Je pars où? Donc, pourquoi il n'est jamais aussi ma part d'argent? Chaque fois qu'il y a un événement dans ta vie, c'est tous les gens qui doivent cotiser pour toi. Parce que tu gères mal ton argent. Tu gères mal ton argent. Première chose que vous pouvez noter de ce que je suis en train d'enseigner. Je n'ai pas besoin de plus d'argent. J'ai besoin d'apprendre à gérer l'argent que j'ai. Je n'ai pas besoin de plus d'argent forcément. Mais de savoir gérer ce que j'ai. Première d'abord chose pour vous. Deuxième chose sur l'argent, vous avez besoin vous devez être quelqu'un qui est très concentré. Tu as une capacité de concentration qui est incroyable. On ne doit pas pouvoir te porter, t'enlever de ce que tu as prévu de faire comme ça. Peut-être tu as là ton salaire qui arrive. Tu sais, bon, comment me payer le premier? Je vais faire ça, 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 ça. Le 31, il y aura un problème qui va sortir. Malgré le problème, tu dois te focus. J'avais dit que je faisais d'abord ça, 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 ça. Zizanik, arrête ça. Dieu, aide-moi à bien gérer l'argent. Donne-moi la sagesse. Arrêtez vos prières là. Merci, nouvelle. C'est les excuses. Parce que quand tu vas mal gérer l'argent, tu vas dire que ah, je ne sais pas, il y a un mauvais esprit qui est entré en moi. Tu n'as pas la connaissance. Je suis en train d'enseigner dessus, non? À qui est la sagesse? À qui est la sagesse? C'est les excuses que vous donnez jamais. Oh, il y a quelqu'un au village qui me fait du mal. Oh, il y a quelqu'un, c'est pour ça que je... Non. Décide-toi aussi que je vais gérer mon argent correctement. Car à partir d'aujourd'hui, je vais bien gérer l'argent. C'est une décision. Tu dois comprendre que économiser, c'est pas l'idéal. Économiser, c'est pas l'idéal. C'est pas j'ai arrivé à économiser. Si tu économises, il n'y a pas un but, c'est que tu économises. Dès que tu vas avoir l'argent, tu vas voir. Ça va partir comme ça. L'argent, c'est comme un oiseau qui vole. Tu l'arrêtes, tu le pin down. Donc tu le prends comme ça là, tu prends le clou, tu le cloues au mur. Reste ici, je veux que tu restes. Toi tu restes là-bas, toi tu restes là-bas, toi tu restes là-bas. Tu dois savoir que tu as le pouvoir sur ton argent. Écris cela, j'ai le pouvoir sur mon argent.
Tu as payé pour le tirage, tu attends depuis hier. J'ai vu comment tu envoies les messages pour me stresser. Je vais te rembourser, hein. Je vais te rembourser. Tu me stresses parce que tu as payé 20 euros. C'est 20 000 francs, je ne sais même pas combien tu as payé. Je suis en train d'enseigner, ça ne te concerne pas. Tu te déconnectes, s'il te plaît. Ne venez pas me distraire. Donc j'ai bien dit, j'ai le pouvoir sur mon argent. J'ai le pouvoir sur mon argent. Très important. Et tu as le droit de dire non. Tu as le droit d'avoir ton argent. Quelqu'un te demande, tu dis non. Écris ici, là, j'ai le droit de refuser mon argent aux gens. Tu as essayé de faire d'abord le paiement dans 2 jours, ça ne passait pas. Tu as essayé, 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 ça ne passait pas. Parce que mes esprits voyaient que toi, tu allais venir me déranger. Je suis en train d'enseigner sur autre chose. Si tu veux commenter encore, je te bloque. Tu me comprends bien? Voilà. Donc, j'ai précisé ici chez vous que quoi? Tu as le droit de dire non à quelqu'un qui a demandé ton argent. Tu savais ça? Et l'argent est un objet dans ta main que tu manipules. L'argent est comme le bic. Tu écris ce que tu veux avec le bic. Tu dis que tu es milliardaire. C'est les gens qui sont pauvres qui écrivent vite qu'ils sont milliardaires. Pardon. Ne pars pas vite en besogne. Ne pars pas vite en besogne. L'argent est comme le bic, écrivez ça. L'argent est comme le bic. Je peux l'utiliser pour faire ce que je veux. Un artiste qui est très talentueux peut prendre ce bic, il fait un portrait incroyable. Un enfant peut prendre ses gribouilles, les trucs sur le mur avec. Tu peux prendre le ça, tu signes un chèque de 5 milliards avec. Ce qui fait la différence entre toutes ces personnes, c'est quoi? L'enfant n'a pas encore la connaissance, ni l'habilité. Ah bah ça, je bloque les gens, je bloque. Donc si tu viens, tu veux bavarder, je te bloque. Tu me sers à rien, je te bloque. Celui qui est agile, s'il est parti s'entraîner pendant des années. Maintenant, je vais encore ajouter un autre volet avant que je vous montre comment découper l'argent, comment gérer quand tu reçois ton salaire. J'ai commencé à enseigner sur ça l'autre jour. Aujourd'hui, j'enseigne encore dessus. Quelqu'un peut grandir. En grandissant, il se dit. Moi, le bic, je veux apprendre à dessiner. L'idéal pour moi, c'est de dessiner avec le bic. Il dessine, il met dans sa chambre. Ça ne lui rapporte pas 5 francs. Une autre personne vient dire, non, moi, je serai un banquier. Je vais signer les gros chèques aux gens. Et puis, il s'entraîne, il se forme. Finalement, il commence à dessiner, à faire son autographe sur les chèques. Ça donne des milliards. Une autre personne dit, ah, le bic, moi, il m'en fout. Est-ce que j'ai même besoin du bic? Tu as déjà vu quelqu'un qui a de la peine à écrire son propre nom? J'en ai déjà vu. J'étais choquée, c'est vrai, mais bon. Il y a des adultes qui ne connaissent pas écrire leur nom. Qui ne connaissent pas faire une signature. Et c'est le même bic. Maintenant, tu vas voir que celui qui ne sait pas signer avec son bic, ou écrire son nom, dans sa vision, bonjour Jojo, dans sa vision, il ne s'est jamais vu comme quelqu'un qui est en train de signer un chèque de 5 milliards. Celui qui dessine s'est vu dessiner, mais il ne s'est pas vu vendre ses tableaux pour avoir l'argent. Certaines personnes peuvent avoir l'argent, mais ne croyez pas que vous pouvez utiliser l'argent pour vous faire de l'argent.
Me suivez bien. Tu ne penses pas que tu peux utiliser l'argent pour te faire de l'argent. Parce que l'argent appelle l'argent. Tu ne penses pas que c'est possible. Que tu prennes l'argent, tu tournes comme ça donne l'argent. Tout, c'est la vision. Parce que la société vous a fait quoi? Regardez un peu comment la société, les pensées qu'on a de la société, c'est quoi? Voilà. Tu viens d'arriver en France, ok. Cherche à avoir, même en Angleterre, on payait 145 pounds. Et tu faisais la formation pour être aide-soignante. Et tu devais payer le credit check. Criminal record, voilà, criminal record. Donc, checker pour voir si tu as eu des offenses criminelles. Ça, c'était peut-être 50 pounds. Donc, et l'uniforme, c'était peut-être encore 50 pounds. Donc, avec 250 pounds, tu peux commencer à travailler. Donc, la société, elle te dit ceci. Donc, voilà, tu es arrivé en Angleterre, ou en France, tu ne sais pas trop. Tu n'as peut-être même pas les papiers. La meilleure connaissance qu'eux, ils vont te donner. C'est pour ça que le savoir est caché. It's hidden. C'est caché. Marche en route comme ça, là, tu demandes peut-être. Ce que la société normale connaît, c'est quoi? Bon, si tu as 250 pounds, tu fais ta petite formation, tu achètes ton uniforme, voilà, tu commences à travailler. Donc, quand tu commences à avoir l'argent, qui te montre comment gérer ton argent? Même le banquier n'a pas le genre de sagesse que je vous donne là. Maintenant, comme tu travailles déjà, ton premier but, tu quittes de l'intérim pour arriver maintenant à avoir un CDI. Dès que tu as le CDI. Ok, maintenant que tu as le CDI, il faut que tu cherches maintenant comment un peu mettre de l'argent de côté pour avoir un apport pour acheter la maison. Et tu achètes la maison pour faire quoi avec la maison? Pour vivre dedans. Tu vois que les projets que les gens là ont pour toi, c'est pour que tu fonctionnes comme une femme normale. C'est pourquoi tu fonctionnes comme de average people. Alors que dans ton esprit, tu dis, mon rêve, c'est d'avoir des immeubles. Mon rêve, c'est de ceci. Tu rêves en couleur. Hein, ma chérie? Tu ne rêves pas de façon réaliste. Et le problème avec les noirs, c'est que très souvent, on rêve, mais on ne planifie pas. On ne planifie pas. L'argent aime quand tu es concentré sur lui. L'argent aime l'attention. L'argent aime quand tu le cherches. Et l'argent aime qu'on l'aime. Aimer l'argent ne veut pas dire que tu oublies tout le monde autour de toi, mais quand il s'agit d'argent, tu prêtes un peu l'attention. C'est pour ça qu'on est en train de lire des proverbes actuellement, ceux qui sont dans le groupe d'études bibliques avec moi. On est en train de faire un jeûne de 40 jours, donc tous les soirs on fait l'étude biblique. La Bible dit que acquiert la sagesse, parce qu'avec la sagesse, il y a l'argent. Je suis en train de vous passer de la sagesse. Et c'est la sagesse qui va vous permettre maintenant d'aller réfléchir et acquérir l'argent. Première chose, cherche l'argent. Deuxième chose, aime l'argent. Aime l'argent. Troisième chose, aime l'argent. La société aussi nous a fait nous sentir mal dans le sens où généralement nos relations avec les gens, on n'aime pas parler d'argent. Tu rencontres un homme. Oh, je veux seulement savoir si tu m'aimes. C'est le plus important. Non, ma chérie, ne mens pas. Tu sais que dans ton cœur, tu veux aussi savoir s'il a l'argent. Demande-lui. Demande-lui. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comment tu gagnes ta vie?
épouse Marine, qui t'a parlé de Dieu ici? Vous mettez vos propres limites sur votre tête. Je suis en train d'enseigner, ma chérie, je te bloque. Voilà. Le truc, c'est que vous confondez Dieu avec l'argent. Dieu a sa place. C'est un peu comme si Dieu est ici, l'argent est ici. Tes problèmes sont ici. Maintenant, on vous a fait croire que si tu aimes l'argent, ça veut dire que tu as mis l'argent au-dessus de Dieu. Non! Dès que je dis aime l'argent, tu as une bataille dans ton cœur. Ah, elle veut que j'aime l'argent plus que Dieu. Et je n'ai même pas. Écoutez, Dieu a sa place au-dessus. Tu ne peux même pas comparer Dieu à l'argent. Ce n'est pas deux choses. Vous comparez Dieu avec l'argent. Dieu. Rentrons maintenant dans les sujets terre à terre. Tu arrives chez ta copine, ou bien vous devez aller en week-end quelque part. Toi, tu réserves, tu fais les réservations. C'est toi qui t'es chargé d'acheter les tickets. Tu finis de payer tout. Tu dis à tes copines, oui, on va aller, j'ai déjà payé avec ma carte de crédit. Dans l'accord initial, ils étaient censés te rembourser. Tes frères, tes amis là. Tu payes. Tu ne leur dis pas que comme j'ai payé là, fais-moi le virement dans mon compte. Parce que tu te dis que ah, ça va paraître bizarre que je leur demande de me rembourser. Ma chérie. Oh. Demande-leur ton argent. Votre problème, c'est que l'argent est un sujet tabou pour vous. Quand vous venez en inbox, je vais te parler. Quand elle te dit que paye-moi, tu te sens offensé. Ah, comment elle peut me demander? Non. Non. Et tu sais que quand elle va te parler, toi-même, c'est dit qu'il te parle gratuitement, on fait une autre téléphone. Pendant ce temps, tu as te dit que la femme qui va sur les réseaux sociaux, là, donc elle a le temps comme ça pour me parler. Mince. Dans ton cœur, tu as te dit que mince. Elle ne demande pas l'argent. Moi-même aussi, de mon côté, je faisais ça avant, mais je ne fais plus. Avant, je faisais que je fais ça, je parle aux gens gratuitement. Dans mon cœur, je suis là, dit que j'espère qu'à la fin de la conversation, tu vas même me donner l'argent. Mais je ne parle pas. J'espère qu'il va me donner l'argent. Moi, je prends tout mon temps comme ça là. Je t'explique. C'est comme ça qu'après tu as mal. Que j'ai pris mes une heure de temps au téléphone. J'ai conseillé la fille là. Hein? À la fin, elle prend 2000, elle m'envoie. Parce qu'au départ, je n'ai pas mis. Je n'ai pas mis le boundaries. Je n'ai pas mis la limite. Je me rappelle, je suis arrivée à Bafoussam. J'étais à l'agence, j'attendais le bus pour partir. Quand il vient à Bafoussam, je n'aime pas regarder, voir, consulter les gens parce qu'ils n'aiment pas payer. Je vous dis souvent ça, vous les gens de Bafoussam. Une femme m'appelle, elle me dit, ouais, je veux te voir. Elle vient me trouver à l'agence pendant que je suis en train d'attendre mon bus pour partir. Elle arrive. Oui, on parle. Elle me raconte comment on lui a fait ceci. Elle était directrice d'agence de ceci. Après, on l'a frappée. Son mari est parti. Ses enfants, wow, elle s'occupe seule de ses enfants. Oui, maintenant que je suis tes vidéos, je me relève déjà un peu. Hein. Oui. Après, elle finit, elle prend 2000. Elle faufile 2000 dans ma poche. Écoutez, je vous ai dit, même si j'ai 5 heures à faire à l'agence, je ne vois personne. Après, tu me dis que c'est normal, non? Tu ne l'as pas dit ce que tu ne l'as pas dit. Elle me suivait en ligne, elle connaît mes prix de consultation. Mais moi-même, j'ai ouvert l'espace pour qu'elle vienne s'asseoir pour me raconter ses bêtises.
tu achètes quelque chose pour garder à quelqu'un. Peut-être la personne te dit que j'ai toujours voulu telle chose, c'est à Paris. Tu quittes de Paris, peut-être tu prends l'avion pour venir dans son pays ou dans sa ville. Tu achètes peut-être des macarons pour la personne. Tu avais prévu de lui faire un cadeau de un paquet de macarons. Tu l'appelles pour lui dire, tu veux quelle saveur. Elle te dit que bon, prends-moi encore un paquet extra. Je vais te donner l'argent. Vous savez qu'à destination, tu auras honte de lui donner l'argent, de demander l'argent, non? Vous savez, on est d'accord, non? L'argent, ça doit être la première chose. Parce que vous pensez à l'argent tout le temps. Je pense à l'argent tout le temps. Pourquoi est-ce qu'on en parle quand on crève l'abcès une fois? Parce que quand tu es en train de voyager avec les macarons là, tu vas dire que j'espère qu'elle va me remettre mon argent. Mon argent. Tu as fait tes plans peut-être sur tes 40 euros que tu as commencé en plus pour ces macarons. Tu arrives, tu donnes. Elle fait un peu genre. Tu donnes, elle dit ah merci, merci. Elle commence à manger. Après, elle dit oh ouais, bye bye. Hein. Elle n'a pas oublié l'argent. Hein. Elle n'a pas. Ouvre ta bouche, tu demandes ton argent. Tu viens avec les box de macarons, non? J'aime pas quand tu parles à ça. Tu prends, voilà, les macarons de la durée, généralement c'est dans ça, non? Voilà. Tu dis que madame, je suis venu avec tes macarons, est-ce que tu peux me virer l'argent, s'il te plaît? Et tu vas voir quand tu vas demander, bon, c'est parce que ça, elle va se fâcher. C'est comme ça que tu dois me reconnaître les gens avec qui tu dois traîner ou pas. C'est comme ça que tu dois reconnaître. Quand on parle d'affaires d'argent, même percée là, ce n'est pas seulement qu'on doit te donner l'argent. Tu dois apprendre les choses qui font que ton argent parte souvent, ça ne revient pas. Yaya, bonjour. C'est exactement ce qui s'est passé avec une amie. Elle nous a fait sortir et comme elle avait trop dépensé, elle nous demande de lui donner même 5 000. Je l'ai compris, j'ai envoyé. J'ai envoyé, mais il y a une qui a dit qu'elle n'a pas. Après tout ce qu'elle a fait à la veille, ça m'a trop énervé. Il lui a fait savoir que c'est pas normal. Tu parles à manger la gagne, pourquoi? Hein? Quand je suis quelque part, quelqu'un dépense là 1, 2, 3. Je demande que tu es sûr que tu ne veux pas que je. Tu es sûr? Are you alright? Are you sure it's alright? Parce que la personne est en train de dépenser, non? Tu veux combien il dépense? Même si c'est le dragueur, comme il dépense là, tu sais qu'après, tu vas commencer à dire que je ne donne pas. Je ne donne pas. On ne part pas à l'hôtel aujourd'hui. Parce que tu sais qu'il a dépensé sur toi. Tu lui es redevable. Et sans le savoir, c'est ça qui prend votre puissance financière. Je sais que même si on t'a mal éduqué, et je suis en train de parler pour que vous appreniez comment on fonctionne. C'est le savoir-vivre. Et c'est ça qui fait que vous manquez toujours l'argent. Ça vous a pas, vous n'avez pas trouvé bizarre que ce sont vos amis qui donnent toujours, qui ont toujours? Ce sont vos amis. Tu lui dis que tu es enceinte. Elle est en Europe. Elle commence à acheter des habits. Elle t'envoie une valise de 23 kilos pour les habits pour ton enfant. Tu es choqué que, ah, maman, merci. Ça peut t'ouvrir les yeux pour que toi-même aussi, tu donnes à quelqu'un demain. Et je suis sûr que les 23 kilos que tu as envoyé là, je suis sûr que le mois là, les finances de cette personne-là vont au moins doubler. Si on apprend que dans la vie, il ne faut pas seulement recevoir, mais donner aussi. Oui. Donc, l'argent pour toi ne doit pas être un sujet tabou. Parfois, tu rends un service, tu sais que ton service vaut 50 000. Dans ta tête, avant d'arriver là-bas, tu dis, voilà, je vais demander même 50 000 pour ça. Je vais demander même 50 000. Hein? Je vais demander même 50 000. Je vais demander même 50 000. Non, je vais demander même. Hein? Tu arrives sur place. Tu tournes. Donne-moi 20 000, non. Non, 20 000.
Mamie, tu as un problème avec l'argent. Tu n'aimes pas l'argent. Tu n'aimes pas l'argent. Écrivez ici, j'aime l'argent et l'argent m'aime. J'aime l'argent et l'argent m'aime. Maintenant, une fois que tu as ouvert ton esprit que, ok, l'argent n'est pas tabou, on doit en parler. On doit en parler. On doit parler de l'argent. Même si c'est le premier sujet qu'on met sur la table. Dans le mariage, avec nos relations avec les amis, même avec nos enfants. Parlez, argent, parlez. Sinon, vous êtes en train d'éduquer les enfants, vous élevez les enfants que demain l'enfant aussi va faire pareil comme toi. Devant, tu ne demandes pas, après tu vas te plaindre derrière. Voilà, hein, j'ai dépensé mais mon argent pour qu'elle vienne ici là. Elle arrive, elle ne me rembourse pas. Tu ne lui avais pas dit que tu dépensais pour qu'elle te rembourse. Tu faisais comme si c'était le don. Maintenant, tu sais que ton argent, tu as le droit de dire non à quelqu'un qui te demande l'argent. Ton argent, c'est pour toi. Tu dois parler de l'argent. Maintenant que tu sais tout ça, prochaine chose que tu dois faire, tu dois avoir des plans et des projets. Commence d'abord par te dire que, ok, si j'avais 1 million, je ferais ça. Si j'avais 4 millions, je ferais ça. Tu dois avoir des projets pour l'argent. Et ce qui vous dérange souvent, c'est que quand l'argent touche votre main, vous n'avez pas de plan. L'argent ne vient que sur demande. Tu as peut-être retrouvé une période de ta vie, supposons. Tu vivais peut-être sous... Supposons que tes finances mensuelles, c'était 200 000. 200 000. Ton frère meurt peut-être. Tu prends ses enfants ou bien ta mère se retrouve à l'hôpital. On te dit qu'il faut quoi? Assistance respiratoire, nanana. La facture s'élève à 400 000. Toi qui touches 200 000 au mois là, est-ce que tu sais que tu vas créer les 400 000 là? Est-ce que tu sais que tu vas créer les 400 000? Tu sais ça? Parce que nuit et jour, quand tu vas rentrer à la maison, on sera attaqué, tu vas commencer à dire, il me faut 400 000. 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 400 000, c'est pour faire quoi? C'est pour soigner maman. L'argent vient sur une demande ferme et stricte. 2 semaines plus tard, tu as payé les 400 000. Maman est sortie de l'hôpital. Ton revenu descend à 200 000. C'est pour ça que les coachs sont importants dans votre vie. Quand tu prends un coach personnel, il étend tes limites. Il étend tes limites. Si lui, si tu es venu te plaindre ici, tu peux quitter, sors de mon direct. J'ai envie d'enseigner sur la sagesse financière. Écoute. Écoute. Le coach peut-être, ou bien le mentor, ou bien va venir te dire ceci. Tu es calme, tu es calme, tu es bien dans tes 200 000 au mois, 1 000 euros le mois. Il te dit, vise un projet de construction.
200 000 au mois, ça veut dire qu'en un an, tu es dans les 1 million 4. 1 million, non, non, non. 200 000 fois 10, ça fait 2 millions. Donc, tu es dans 2 millions 4. Par an. Il te fait lancer un projet de construction de 15 millions. Et il te dit, tu vas finir de construire cette maison-ci en 6 mois. C'est impossible, non? C'est impossible si tu restes avec la même mentalité de 200 000, avec le même confort de 200 000, avec les mêmes idées de 200 000, avec les mêmes actions qui te donnaient 200 000, n'est-ce pas? Supposons maintenant, tu dis non, je veux faire, je veux, je veux. Tu t'engages à construire quelque chose de 15 millions de francs CFA en 6 mois. Ton objectif maintenant, on va prendre 15 millions, 15 millions, on va diviser par 6. Dis à cette dame de faire un voice pour son rêve. L'interprétation des rêves, j'ai besoin de du voice de son rêve. Voilà, elle envoie ça. Contacte ceux qui doivent être faits là. Tu leur demandes s'ils ont déjà été consultés. Je vais consulter tout à l'heure. Donc, faisons les divisions. 15 millions divisé par 6. Ça veut dire que tu dois avoir 2 millions 5 le mois. Et pour l'instant, tu es dans 200 000 le mois. Maintenant, quand tu as pris cet engagement-là, tu sais ce que tu vas commencer à faire. Nuit et jour, tu mets dans ta tête. Il me faut 2 millions 5. Tu divises en étapes. Première étape, c'est la fondation. Il me faut 1 million 5 pour la fondation. Je me donne 2 semaines pour faire la fondation. La nuit, tu penses à ça. Le matin, tu penses à ça. À midi, tu penses à ça. Le soir, tu penses à ça. La nuit, tu penses à ça. Pour 2 millions, 5. 1 million pour la fondation. 1 million. Tu portes d'abord 100 000, tu avances au gars. Allez acheter un peu le matériel d'abord. Tu sors dans la journée. Écoute. Tu vas commencer à voir les opportunités. Attends, j'avais vu une maison l'autre jour là-bas. On cherchait un locataire. J'ai bien des followers sur Facebook. Je peux prendre la maison, je filme, je mets sur ma page. Si je trouve le locataire, je prends la commission. Tu fais ça en 2 jours, ça te donne 200 000 de commission. Tu restes encore, tu me dis, il me faut, il a donné 300 000, il me faut encore 700 000. Écoutez, votre argent est bloqué parce que vous n'avez pas de projet. Vous n'avez pas de pression. Vous me suivez. Il y a les chantiers de 300 millions que tu vas commencer avec 3 millions dans ta poche. Je vous dis, tu sors chaque jour, tu attaques, tu tacles, tu tacles, tu appelles, tu attaques, tu cherches, tu sors, tu fais, tu rentres le soir. Ce que tu avais souvent mensuellement, tu as ça la journée là. 200 000 en une journée, tu dis, hey. La nuit, tu relances les gens, tu relances. Écoutez, l'argent vient à travers le mouvement. Tu dois bouger. Tu dois bouger. Même sur les réseaux sociaux. Le général des généraux, vous connaissez le général Makami. Il fait boudou, il bavarde sur les réseaux, il bavarde, il bavarde. Il attire l'attention. Tu ne peux pas chercher l'argent en te cachant. Tout argent que tu laisses inerte sans avoir un projet sur lui, il est exposé au problème. Cet argent est exposé au problème. Tu exposes ton argent à ce que les problèmes viennent ronger l'argent là. Ronger, ronger, ronger.
C'est le manque d'action qui vous dérange. Parfois, tu as le projet, tu dis que j'attends que... Peu importe le projet que tu as, commence à mettre la première pierre maintenant. Donc, même si tu veux construire l'hôpital de 2 milliards, cherche bien les terrains, tu vois, ça coûte telle somme déjà les terrains. Le matériel peut-être coûte telle chose. Donc, tu avances, chaque jour tu fais quelque chose dans le sens de ce que tu dis que tu veux. Il n'y aura jamais un jour où tu auras totalement la somme dans ton sac. Ah, finalement j'ai 500 000 euros. Ah, achetons telle chose ou bien faisons telle chose. Tu veux la consultation et tu pleures. Je ne vois pas les gens qui pleurent, ma chérie. Moi-même, je suis au Gabon. Tu pleures plus que qui? Vous devez être tellement axé sur vos projets. L'argent s'appelle. Tu appelles l'argent pour faire quelque chose. La preuve, les périodes de ta vie où tu as souvent l'argent gardé quelque part. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu te réveilles la nuit, tu as peur. Hey! Et si le banquier porte l'argent? Et si il reste comme ça, quelqu'un vient prendre l'argent là? Et si ça diminue? Et s'il y a un bon problème qui sort? Et si tu vas voir que quand tu accumules l'argent, il n'y a aucun projet sur ça, tu commences à avoir peur. Tu commences à avoir peur. TikTok belle, j'ai envie de te bloquer. Bonjour Maître Daignan. Nous sommes dans un monde spirituel. L'argent est spirituel. L'argent est spirituel. Maintenant, je vais rentrer dans les choses que vous devez appliquer. Quand tu gardes même le même jour que ça sort, tu ne vois pas ce que tu as fait avec. Maintenant, il y a des principes spirituels. Je vais vous en donner seulement deux qui protègent votre argent. Je vais donner trois. Numéro un. Paye ta dîme. Vous me suivez. Bonjour. La consultation, si vous voulez être consulté, il y a le numéro dans ma bio. Vous prenez le numéro, vous écrivez, vous demandez une consultation. Mais en attendant, vous vous lavez avec du sel. Tu te laves avec le sel, nos esprits ne peuvent pas correspondre. Pour l'instant, la consultation est à 40 000 francs. Normalement, c'est 65 000. Donc, promotion pour tout le mois de juin. Après juin, ça remonte à 65 000. Consultation, lavage, prix promotionnel, c'est 60 000 et 2. Normalement, la consultation, c'est 65 000. Le lavage, c'est 33 000. Mais pendant cette période de promotion, les deux à 60 000. Payez aussi pour vos mères, payez pour vos gens. Voilà. En euros, c'est 94 euros, 96 euros. Consultation et lavage.
Lavage seul, c'est 56 euros. Consultation seule, c'est 100 euros. Mais actuellement, c'est en promotion. Voilà. Consultation seule en promotion, c'est 62 euros. Consultation et lavage en promotion, c'est 82, 16 euros. Première chose, j'ai bien dit sur l'argent, paye ta dîme. Paye ta dîme. La dîme, c'est 10% de ton revenu si tu es salarié, 10% de ton profit si tu fais le business. Si tu fais un prêt, tu payes la dîme dessus pour bien utiliser ce que tu as prêté. Maintenant, quand tu vas travailler et que tu recevras l'argent pour rembourser le prêt, l'argent que tu vas utiliser pour rembourser ne paye pas la dîme sur cet argent. Parfois, tu peux prêter l'argent pour faire quelque chose. Finalement, tu ne fais pas rien. La maladie sort, pam! Les 2 millions que tu avais pris pour toller la maison ou faire la dalle là, ça disparaît. Une femme avait venu une fois à Yaoundé comme ça pour une consultation. Elle me dit qu'elle avait pris un crédit à la banque pour toller sa maison, quoi, quoi, quoi. 2 millions. Et entrer là-bas avec son mari, il fait les portes, quelque chose comme ça. Dès que la banque a donné l'argent, leur enfant est tombé malade. Dès que le dernier centime est fini, l'enfant est sorti de l'hôpital. Oui, je fais le bendage à distance aussi. Bendage à distance, protection. Protection à distance, je fais ça. Si vous vous êtes mis dans des endroits où vous sortez des trous, c'est des trous dans des endroits qu'on vous a mis. Les liens, peut-être ton ex, tu le vois tout dans tes rêves, des choses comme ça là. Détachement, tout ça là, oui. Les gens du groupe, c'est là. J'ai dit dans le groupe que ne venez pas commenter n'importe quoi. Quelqu'un veut me commenter, je vais taper ta tête. Ta dîme se paye là où tu es nourri spirituellement. Si tu sais que mes enseignements t'aident, écoute bien, paye ta dîme chez moi. Si tu sais qu'il y a quelqu'un d'autre que tu suis en ligne, que c'est plutôt la personne là que quand il parle, tu sens que non, paye ta dîme chez lui. Parce que parfois, vous avez des endroits physiques où vous partez, mais là-bas, on ne vous donne rien. On ne te donne rien qui te nourrit. Tu es là-bas seulement par. Je ne vous demande pas de partir de vos églises. Non, 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 non. Mais il y a quelque chose quand tu. Parfois, même tu pars dans une église, tu ne payes jamais la dîme parce que tu ne connais pas ce que c'est que la dîme. Lingot d'or, si tu n'as pas d'église locale et que tu ne suis personne en ligne, tu vas te débrouiller. Demande à l'Esprit Saint de te guider. Et ça doit te payer dans un endroit, dans un ministère. Et c'est que tu veux comme ça là pour qu'elle dise que tu vas donner aux sans-abri. Voilà, exactement. Voilà ta prochaine question. Je vous lis, non? Je vous connais. Que peut-on donner à une association? Je vous connais trop, hein? Vous venez avec vos questions ici là pour tenter les gens. I'm not there. Quand j'enseigne, tu la dîme, j'enseigne ce que je connais. Maintenant, si tu veux, tu peux faire. C'est ton argent, non? Mon premier enseignement ici, le premier truc que je vous ai dit pour l'argent, c'est quoi? Personne ne te force sur ton argent. Tu es maître et maîtresse de ton argent. Donc, tu portes, tu vas donner au fou. C'est ton argent, maman. Ah, capo. Oh, you are. C'est ton argent. Maintenant, comme tu fais ce que tu veux avec ton argent, quand tu vas obtenir ce qui ne sera pas bien pour toi, ne viens pas te plaindre chez moi. Parce que c'est ça votre problème. On parle souvent, vous ne comprenez pas. Vous partez faire ce que vous voulez. Quand c'est pire maintenant, quand ça s'aggrave, je ne peux même pas te répondre. Moi, je suis bon dedans.
Toi, tu as arrêté la dîme parce que l'église ne t'apportait plus rien. Même si tu ne pars pas à l'église, tu dois payer ta dîme. La dîme, ce n'est même pas entre toi et le pasteur. C'est parce que vous partez, vous cherchez toujours. Vous dites toujours que le prêtre, oh, pasteur, pasteur, ma dîme, c'est 500 000. Écoutez, je ne vais même pas te calculer. Moi, on ne me manipule pas avec l'argent. C'est vous que vous pensez que tu as fait ça à vos pasteurs là. Vraiment, mes 8 000 euros que j'attendais, c'est venu. Donc, j'ai donné, voilà, 1 000 euros. C'est une offrande avec ma dîme. Avant d'avoir mon ministère, j'ai d'abord mon business. J'ai mes business. À beg. La dîme, c'est entre toi et Dieu. Et vous, sur ma page, j'ai des vidéos sur la dîme. Il faut que je poste encore ces vidéos-là. Avant de semer ta dîme, tu dois comprendre. Assois-toi, tu écris. Tu écris. Tu écris. Seigneur, comme je paye ceci. La dîme, c'est un échange, c'est un moment d'échange spirituel. Je demande la bonne gestion du reste d'argent. J'éloigne la maladie de ma vie. J'éloigne la maladie de mes enfants. Souvent, tu ne payes pas la dîme, non. Ton frigo va se gâter. Ta voiture va se gâter. Ton enfant va tomber malade. Tu arrives quelque part pour une formation. Oh, madame, vous êtes arrivé en retard. Prenez plutôt le ticket pour demain. Pénalité 200 euros. Parfois, tu payes même le ticket totalement. Tu as payé encore un autre ticket. On m'a dit l'autre jour qu'avec les nouveaux visas qu'on met au Cameroun, là, il y a des gens qui sont arrivés au Cameroun. On les a rapatriés. Ils ont encore demandé le visa avant de revenir. C'est aux frais de qui? C'est pas aux frais de l'ambassade du Cameroun? L'autre dit l'autre jour que voilà, je paye ma dîme. L'école de ma fille, c'est 2 millions 700. L'autre jour, quand il finissait, l'école a dit que je vais. On lui a donné une bourse, que je vais donner 900 000 francs pour septembre. Je paierai son école à 900 000. Voilà. Vous voulez voir les faveurs de la dîme. Souvent, tu payes ta dîme, quelqu'un qui te devait l'argent depuis 5 ans. Pendant que ton argent est en train de sortir pour payer la dîme, lui, il est en train de te chercher, de chercher ton numéro pour te payer ton argent. La dîme se paye en lisant le passage suivant. Malachie chapitre 3. Et le truc, c'est que vous avez tellement frustré vos pasteurs qu'ils n'osent même pas enseigner sur l'argent à l'église. Si un pasteur qui m'écoute ici, là, pardon, aide tes enfants, enseigne-leur sur l'argent. Chiche, je vais me barmener. Enseigne sur la dîme. C'est un honneur de payer la dîme. Je vais remonter de quelques versets avant de lire le passage. Verset 8, Malachie chapitre 3. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, c'est le Seigneur qui parle. J'ai un crédit de 6 millions, chantier engagé. Le technicien a bouffé 2 millions, il a déserté le chantier. Voilà les problèmes de ça. Tu payes 50% de ton revenu, le reste est très serré. En fait, tu arrêtes d'expliquer que tu ne peux pas payer ta dîme. Mais... Non, il n'y a pas de problème, ton chantier va rester comme ça. Écoute, souvent tu es là comme ça, tu es bloqué. Hein?
Parce qu'on allait travailler, quand tu as commencé le chantier, là, on allait te bloquer, que tu ne vas pas avancer dans ton taxi. Maintenant, quand tu verses ta dîme, ça te débloque. La dîme met une couverture sur toi. Je vais vous lire ça ici. Parce que parfois, vous donnez des excuses pour dire que vous ne voulez pas payer. Ne payez pas. On ne te force pas. On ne te force pas. Écoute ce que le Seigneur dit. Malachie 3, verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière, tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, verset 10, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Donc, comme tu apportes ta dîme, tu testes Dieu. Dans ta prière, dis Seigneur, voilà ma première dîme que je porte, j'apporte. Je vous ai parlé de l'histoire d'une dame l'autre jour. Elle est musulmane. Elle écoute mes enseignements. Donc, elle a décidé de payer sa dîme chez moi. L'autre jour, elle sort 200 euros. Elle paye la dîme. Et son mari, lui, il ne remet pas ses enseignements. Donc, il ne paye pas sa dîme. Mais elle paye sa dîme. Et normalement, dans l'engagement qu'ils ont à la maison, elle s'occupe des factures, quelque chose comme ça. Et puis, son mari s'occupe d'autres choses. Des factures loyer, ceci, cela. Et lui, il s'occupe peut-être de la cotisation. L'argent de son mari paye les cotisations. Et puis, je ne sais pas. En tout cas, ils ont organisé d'une certaine façon. Elle paye sa dîme le lendemain. Elle se réveille, elle voit qu'on a pris 2000 euros de son compte. Ça veut dire qu'elle se retrouve à moins de 200 euros. Parce que si elle a payé la dîme de 200 euros sur 2000 euros qu'elle a reçus, et qu'on est venu retirer 2000 euros, la somme de son salaire, de son compte, elle se retrouve à moins de 200 euros. Elle voit ça le lendemain, elle décide de jeûner. Vers midi, le jour où elle jeûnait, elle m'écrit. Elle dit que, maman, je ne sais pas quel miracle. Avant-hier, j'ai reçu mon salaire. J'ai payé ma dîme. Hier, on m'a retiré mon salaire de mon compte. Vous savez que quand votre compte est ouvert, et ils peuvent souvent prendre l'argent, prélever l'argent. Parfois, ils prélèvent de l'argent pour des conneries. Tu ne sais même pas. Oh, le rappel de telle chose. Oh, il y avait telle. Elle dit que, elle se lève ce matin-là, elle fait son jeûne. Donc, par un autre moyen encore, on lui donne. Elle a un paiement de 2000 euros qui arrive dans son compte. Et actuellement, le truc, c'est que la dîme aussi débloque. Elle est en train de faire, elle fait les papiers pour ça. Elle a un enfant en Afrique depuis combien d'années qu'elle veut que l'enfant vienne. L'enfant n'arrive pas à venir. Et son mari aussi veut reconnaître ses enfants depuis. Ça ne passe pas. Là, elle dit que l'autre jour, son mari s'est relevé, s'est levé. Il a dit qu'il va encore lancer la procédure seul. Donc, tu vois, là, qu'il était découragé, il avait oublié même. Il a sa propre initiative, il se lève. Je peux encore faire le tour, la procédure là. Je crois que le tour, si ça va pas marcher. Oui. Je crois que le tour, si ça va marcher. Si peut-être tu sais qu'on t'a déjà payé, tu n'as pas payé la dîme de ce mois-ci. Tu peux te repentir peut-être, si tu peux encore, tu fais le rattrapage. Que Seigneur, maintenant que je comprends, je paye ma dîme. Et tu lis ce passage, c'est en payant ta dîme. Seigneur, je te mets à l'épreuve. Voilà mon business qui est là. Voilà mon chantier qui ne marche plus. Voilà ceci qui. Oh, voilà Seigneur, je perds l'argent, j'envoie l'argent sur les gens détournent. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui peuvent. Tu peux lancer ton chantier. On ne te vole même pas 5 francs. C'est grave si je ne lis plus la Bible et je paye ma dîme. C'est entre toi et Dieu là-bas, mamie. Tu ne lis plus la Bible, pourquoi? Qu'est-ce que la Bible t'a fait? Je suis sûr que tu es tombé sur les enseignements qui disent que la Bible a été changée. Gnag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 
ma jolie fleur. Vous savez qu'il bavarde beaucoup. Je bavarde avec passion. Attendez, je remets mon truc sur ma tête. Pardon. Allez, talk with passion. Voilà. Ma jolie fleur de... Oh, oh. Ma jolie fleur que ma fille m'a donnée. Attendez, je remets. Deo va donner something. La biggie biggie something. Come follow me, celebrate. Ok, on continue. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. La bénédiction de Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas seulement que c'est... Écoutez, Proverbe 10, verset 22. Je vais vous dire ce que c'est que la bénédiction. Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La bénédiction de Dieu l'enrichit. Vous suivez ça? Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc, s'il y a quelque chose dans ta vie qui est un peu confus, Seigneur, comme je paye ça, tu as dit que tu as ta bénédiction enrichie, non? Hein, Seigneur? Que tu ne donnes pas le chagrin, non? Seigneur, enlève ce chagrin, mets la paix dans mon foyer. Seigneur, je veux aussi me marier. Moi aussi, je vais me marier. Je suis seul dans ma tête. Hein. Moi, je suis seul dans ma tête, je vous dis. Je suis seul dans ma tête. Continuons. Ok. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Je sais que vous ne le croyez pas, mais il y a un esprit ici dehors qui cherche à dévorer les finances des gens. Alléluia. Tout le monde dit Amen. Everybody say Amen. And everybody say Amen. My talk this week. Oh, 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 eh, eh, oh, 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 l'argent arrive. Je sens que l'argent est en train d'arriver. C'est comme si j'ai une mélodie de l'argent dans ma tête. Hein? Quand l'argent est en train d'arriver, je sens ça. I can feel it. Recevez votre argent aujourd'hui. On continue. Il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Ça veut dire que tu restes comme ça là, tu sèmes. Quand tu sèmes, c'est peut-être un projet que tu as formé. Depuis 6 mois, tu es sur un projet avec quelqu'un. À la dernière minute, ça fait blablabla, ça tombe. Tu commences une construction. Quelqu'un vient, il porte tes taux, il porte l'argent, il part. C'est le dévoreur qui est venu pour dévorer ma chérie. Vous me suivez? Il y a les choses qui peuvent se passer, ça vole. Donc, un esprit vient entrer dans ta personne. Après, tu me dis, mais le chef chantier, si je travaille avec lui depuis 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé le tout si pour qu'il porte mon argent, il part avec? Le dévoreur est entré. Jésus marchait avec Judas. Le jour où Judas devait le trahir, qu'est-ce qui s'est passé? Satan est entré dans son corps. Bien lent. Comme bien lent. Le voilà. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. L'analogie de la vigne, ça veut dire que quand tu fais ça, tu as les projets. Très souvent, tes projets n'aboutissent pas. J'ai commencé mes dîmes et argent rentre, chantier en arrêt depuis des années qui a repris. Ah ah, merci de ton témoignage, Bella. Tu as commencé la dîme. Oui! Tu as commencé la dîme. Et voilà que ton argent entre maintenant. Ton chantier qui était en arrêt depuis des années a recommencé. La dîme, c'est la protection sur ton business. Parce que chacun d'entre vous, je vous ai toujours dit que tu ne peux pas devenir riche en étant salarié.
La richesse se trouve dans... La richesse se trouve dans le business. Tu ne peux pas être mon follower, tu ne fais pas le business. Même une bricole que tu gagnes 1000 euros, tu paies ta dîme. Le travail, ce n'est pas forcément le bureau. Tout ce sont de revenus. Comment fais-tu pour te vêtir ou manger? Je comprends pas. Comment fais-tu pour te vêtir ou manger? Comment? Je comprends pas, ma chérie. Tu peux même ne pas travailler, mais il y a quelqu'un qui te donne à manger, non? Vous là qui aimez aller dormir chez vos oncles et vos tantes là. Vous aimez aller dormir chez vos cousins et vos oncles là. Il y a quelqu'un qui se lève le matin et te donne quand même 1000 francs, non? Mets 100 francs de côté. Votre problème parfois, c'est que vous aimez trop dire que vous n'avez pas. Même la nourriture que tu manges là, suppose, évalue la nourriture à 1000 francs. Soit 100 francs de ta bouche chaque jour tu déposes. Quand ça arrête, quand ça arrive à un bon nombre d'argent, tu donnes maintenant comme dîme. Et c'est même quand tu n'as pas que tu dois donner la dîme. Depuis que j'ai commencé à payer ma dîme, je gagne 6 fois plus que mon salaire. J'aime quand vous parlez comme ça, là, je n'ai pas besoin de vous dire. Ça va. C'est bien quand vous me venez dire, parce que parfois on va croire que je... Parfois tu as un business que tu commences à faire, ça marche, premier mois, deuxième mois. Troisième mois c'est attaqué, ça descend. Quatrième mois ça descend, cinquième mois ça fait un peu un genre. La dîme stabilise tes finances. Tu n'attends jamais un agent, ça ne passe pas. Tu ne commences jamais quelque chose, on te vole. Est-ce qu'on peut donner la dîme à une personne qu'on ne connaît pas? Le but de la dîme, c'est quoi, hein? Quand tu sors ton argent pour payer ta dîme, comme tu j'enseigne maintenant, tu écoutes, non? Ça ouvre ton esprit. Ça te fait voir que c'est possible. Donc, si supposons après ça, tu portes ta dîme, tu dis que tu vas y déposer chez moi. Tu es en train de t'accorder parce qu'il y a quelque chose, une perche est sortie de moi à toi. Maintenant, ce que tu sèmes, c'est une perche que tu sors de toi à moi. C'est là maintenant que ça fait ça. Tu dis, je m'accorde avec ce que j'ai entendu. Je m'accorde ce que j'ai entendu. Tu scelles ta parole, comme tu as dit là, Noëlla. Bonjour, Demoni. Maintenant, pour moi, porter la dîme, aller donner à quelqu'un que tu ne connais pas, it doesn't make sense. Silu Brian. Tu me demandes que la dîme se paie à qui dans l'église? Il faut laisser. Tu as compris? Ne me suis même pas, pardon. Donc, follow me. Je conduis ce que je suis. C'est un autre fou aussi. Hein. Vous êtes très... vous êtes mesquin. Dans le sens où... Où tu penses que le pasteur là va toller sa maison avec ton argent? Où tu penses qu'il va... Je ne sais pas, en fait. Et peut-être ta dîme, c'est 5 000. Hein. Tu penses que les 5 000 là, où il va faire que quoi avec eux? Tu ne comprends pas que c'est pour t'aider. C'est pour toi. Et je vous assure que le pire, c'est que j'ai beaucoup de personnes. Vous suivez ici chaque jour, vous commentez. Dès qu'on arrive sur Dim là, pardon. Elle veut s'enrichir sur moi. Je suis riche, ne vous dérangez pas. Monica de Money, merci pour ta casquette. Je sais que mon arrogance, ça vous dérange souvent. Parce que vous étiez habitué. À ce que quand un jour une fille m'appelle, elle vit en Allemagne. Voilà, oui. Je veux que tu sois mon guide spirituel. Je dis, ok, continue, je t'écoute. Vraiment, l'ancien monsieur chez qui je payais ma dîme. Hein. Tu imagines, je paye ma dîme, il ne m'appelle même pas. Je ris. Il dit que ma chérie, je suis plus pire que ton monsieur là. Je lui dis, cache-toi. Je suis plus pire que l'homme là. Vraiment, tu imagines, c'est quel genre de guide spirituel comme ça. Ils ont dit que bye. Bye. Hmm.
Partir chercher les pauvres papas de Bamendala. Le genre de père qui n'accepte pas que Dieu peut le bénir avec l'argent. Malheureusement, il y a des guides spirituels qu'ils n'acceptent pas l'argent. Pourtant, ils ont l'onction. Voilà, le 24, le 25 et le 29, ils t'appellent. Ma fille, tu sais que je vais bientôt toller la maison pour que ta mère et moi, on entre dans la maison là, non. Vraiment. Merci de toujours penser à nous. Je veux t'enseigner parce que quand tu payes et l'homme là t'appelle pour te dire merci, est-ce que tu sais que tu as déjà ta récompense, ma chérie? Do you know that? Love, la dîme et les offrandes ou les dons ou les aumônes, c'est différent. Tu me suis? Et quand tu payes ta dîme et que tu as l'esprit prospère, tu vas voir que, supposons que tu commences avec une dîme de 10 000, ça commence à monter, 15 000, 20 000. Tu vas voir que, avec le temps, même les offrandes, ce que tu donnes aux gens, tu auras de la facilité maintenant à donner, à séparer ta dîme de ce que tu donnes aux gens dehors. Parce que l'argent va augmenter dans ta main. Avant, tu habitais 100 000 francs, devant derrière 100 000. Tu commences à payer la dîme. En 3 mois, tu te retrouves à 250 000 au mois. C'est facile pour toi de sortir 25 000 pour ta dîme. Tu sors 20 000 ou 30 000, tu donnes aux sans-abri. Il te reste encore plus de 100 000. La dîme multiplie. Maintenant, avec les 100 000 là, tu peux encore maintenant penser que bon, comme j'ai à payer ma dîme 25 000, j'ai payé les aumônes peut-être encore 25 000. Il me reste 200 000. 100 000 peut-être c'est pour mes revenus d'habitude là. J'avais d'abord 100 000 avant. Bon, maintenant, ce qui fait que tu as encore 100 000 au-dessus. Tu as 100 000 au-dessus. Donc, tu avais un père spirituel qui t'appelait pour te dire que sois béni. Après, il te parle d'un problème. Non, nous les bénissons. Je bénis toutes ces personnes-là. Je les bénis. Chaque maître spirituel agit en fonction de de ce qu'il connaît. Mais vraiment, mon souhait, c'est que les pères spirituels, ne mettez pas la pression sur vos enfants. C'est Dieu qui parle à vos enfants et il vous donne. Ce n'est pas vous qui parlez à vos enfants et il vous donne. Vous suivez? C'est Dieu qui inspire quelqu'un, la personne dit, j'ai voulu donner ça. Pas que c'est toi qui te lèves, ah, vraiment j'ai tel truc que je vais faire, vraiment il y a tel projet. Je vous ai dit que dans mon groupe, vous n'écrivez pas pour me parler de n'importe quoi. Je suis en train de faire un direct. Si vous avez des questions, vous écrivez dans ce groupe. Et je rappelle que je retire les gens de mon groupe et je bloque les gens. Voilà. Vous aimez faire souvent comme si votre tête là. Vous n'aimez pas les instructions. Vous n'aimez pas les instructions. Les chrétiens sont trop volaches. Vous êtes trop légers. Vous faites le vagabondage spirituel. Vous écoutez 50 personnes en ligne. On donne les instructions, vous n'aimez pas suivre. Ouais. Je simplifiais la dîme, mais vous m'avez dit peu importe le montant. J'ai mis un quota dans ma tête et maintenant l'argent vient. Quand je ne m'attends pas, je sème et je vais payer ma dîme de 1 million bientôt. Eh oui, ma chérie, ne te dérange même pas. Tu vas même dépasser 1 million, tu vas encore faire la dîme de 1 million 5, 2 millions. C'est le montant de dîme que j'ai à payer que moi-même j'ai, vous avez dit que mais, si tu payes la dîme, que c'est 10 fois le salaire de quelqu'un. Il dit ici, verset 11 de Malachie 3,
Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Voilà. Donc maintenant, vous avez compris pour la dîme, non? Bon, je parlais de la sagesse financière. C'est bon, on peut avancer. Super. Si tu as oublié de payer ta dîme ce mois, fais le rappel, tu payes. Mon contact est en haut là, dans la bio. Il y a un lien en haut là-bas. C'est là. Voilà mes vidéos. Voilà le lien. Ce lien-ci là, tu cliques dessus, ça t'amène dans mon WhatsApp. Ça. C'est un lien Bit.ly. On écrit Bit.ly dessus. Bit.ly. Disciplinez-vous, s'il vous plaît. J'ai remarqué que les chrétiens sont très légers. Quand vous voyez quelqu'un est strict, ça vous... En fait, quand tu as quelque part, tu vois quelqu'un dire Amen, que soit béni. Tu te dis, ah, c'est un peu comme deux Camerounais qui se voient à l'étranger. On sait que les Camerounais, généralement, sont très volaches. Les Camerounais aiment le faux. Les Camerounais ne sont pas disciplinés. Donc, quand tu es en Europe, tu vois un Camerounais comme toi, tu vas dire, ah, inconsciemment, dans ton esprit, tu le prends pour 5 francs. Tu le prends pour 5 francs. Ce n'est pas parce que tu es chrétien comme moi et que tu ne respectes pas tes principes spirituels que moi aussi je fais la même chose. Soyez disciplinés. Il y en a qui paient la dîme comme les clignotants. Tu payes, après tu fais comme si c'était... Non, non, ce n'est pas une faveur que tu me fais. Et si tu penses que c'est une faveur, ne paye plus. I beg. Soyez ferme. L'ennemi qui vous poursuit, il est ferme sur ça. Il vous poursuit. Est-ce que... Depuis combien de temps que tu es menacé? Deuxième chose, je parlais de sagesse financière. Donc, j'ai parlé de la dîme. Même pour voir les hommes fidèles, les hommes camerounais très souvent n'aiment pas être fidèles. Ah, de toute façon, tu veux montrer que quoi? N'est-ce pas, c'est entre nous. Ah, n'est-ce pas? Non. Tu peux sortir du lot. Tu peux sortir du lot. On te voit, tu es fidèle, tu es droit. Tu fais des choses droites. Pas parce que c'est dans la culture et qu'on a grandi en voyant ça. Non, tu as vu. Je vous assure que j'ai côtoyé, je vais un peu m'arrêter là-dessus, j'ai côtoyé les Nigériens en Angleterre. C'est chez les Nigériens que j'ai vu comment quelqu'un peut se marier à 20 ans. Oui. Tu vois une jeune fille, un jeune garçon, il a 22 ans, elle a 20 ans, il se marie. Les parents disent, mais mettez-vous ensemble, mariez-vous. Tu vois un enfant de 19 ans qui craint l'éternel. Il n'est pas là, tu dis, oh, j'ai le copain. Ça devient l'amour de tout le monde, a le copain. Non, 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 non. Non. C'est chez les gens que j'ai vu comment un homme... Tu viens, tu vas un peu le draguer. Tu viens pas avec les habits bizarres, cool là. Il te parle, tu as honte, tu fuis, tu pars. C'est chez les gens que j'ai vu un homme pas avoir 5 femmes qui travaillent pour lui. Il n'a jamais touché aucune.
n'a jamais dragué aucune. Les Camerounais sont tout légers, légers, volaches. Donc ça m'a. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais attends, c'est possible. Parce que vous savez qu'au Cameroun, on a toujours les hommes qui ont. Il vit avec toi comme ça à la maison. C'est quand il meurt qu'on découvre qu'il avait trois enfants avec quatre femmes dehors. Trois enfants avec quatre femmes dehors. C'est là que tu n'as pas le besoin de. Tu, même le taper, tu n'as pas les mains pour le taper. Parce qu'il est dans un cercueil. Donc je t'avais moi aussi chaque jour alors que tu faisais ça dehors. Non, je remercie le Seigneur, hein, vraiment. Tu te rencontres un homme en Bengui, il te dit que sa femme est au pays depuis 8 ans. Et quand tu le vois, tu sens que ça fait 8 ans qu'il n'a pas touché une femme. Chaque soir, il rentre, il appelle sa femme tous les jours à 18h. Il est au téléphone de sa femme. Ah, les Camerounais, mon frère. Je peux pas faire. Est-ce qu'ils peuvent faire autrement? Est-ce que tu un homme peut rester seul? Est-ce que. Bon, parce que moi, la fée, la m'énerve. Est-il leur frère pour réussir ensemble? Oui, ils peuvent se faire confiance. Même dans leur 419, même la fémania qu'ils font, quand ils font la fémania, ils font ça ordonné. J'ai côtoyé les Nigériens, j'ai dit waouh, ils ont tout un autre système de pensée. Ils sont sur une autre planète. Massi dit que, en tant que Gabonaise, je suis la seule Camerounaise à qui elle fait confiance. Même moi-même, je me méfie des Camerounais, mamie. Même moi, je suis Camerounaise. Quand je suis arrivé au Gabon, les Camerounais me disent que non, les gars, les Gabonais n'aiment pas les Camerounais. Je dis que c'est parce que vous n'êtes pas droit avec eux. Tu vois une fille soit avec un Gabonais. Quand elle vient chez toi, tu commences à dire que waouh, j'aime ton mari, tu te maries avec un Gabonais, waouh. Elle dit ah, tu sais, elle avait un homme depuis 5 ans, dans sa tête, elle est encore seule, elle est toujours séparée de lui. Il dit waouh, quelle hypocrisie. Quelle hypocrisie. C'est comme ça que vous manipulez les gens, vous n'en pensez pas. Dans mon moto, au Togo, c'est pareil. J'ai vu des choses chez les Nigériens, je me suis dit, waouh. Mais l'affaire de fidélité, là, je ne savais pas qu'un homme pouvait être fidèle. Parce qu'au Cameroun, vous connaissez comment grandit, on voit, non? Tel homme trompe, tel. Tu arrives en Bengue, tu vois un père. En quittant le pays, tu allais, sa femme t'a donné le paquet. Ah, voilà l'autre qui m'a gagné. Ça, en partant du pays, sa femme te donne le paquet. Quand arrivé, tu donnes à mon mari. Tu arrives en Europe, tu pars chez lui pour donner. Tu vois la photo d'une autre femme sur le mur. Tu vois deux enfants. Et la femme du pays ne connaît pas. C'est chez les Nigériens que j'ai vu comment un homme peut prier. Ils sont Camerounais. Hein? On part au bar. Il est plus fidèle au culte du bar. Quand tu vois un homme vertueux. Avant, moi, j'étais une bonne, j'étais une autre. J'attaquais que les hommes mariés avant. J'ai eu plusieurs filles dans cette vie. Où est le visage de cela, non? Je mettais les longues greffes là comme ça là. J'arrive devant un homme, tu me regardes pas, je dis que mais il se prend pour qui? Il se prend pour qui? Dieu m'a sorti de loin. Hein. Dieu m'a sorti de très loin. Et il n'y a que chez les Camerounais où tu peux voir une fille. Vous êtes meilleurs amis. Elle vient veut draguer ton gars. Elle a toutes les attitudes bizarres. Et quand elle vient chez toi, elle met les décolletés bizarres là. Il n'y a que chez les Camerounais que tu peux voir ça.
Là où on change les permis, tu es venu avec le permis pour changer. Ils ont dit que le Cameroun n'est pas dans la liste. Tu vas confirmer le code, ma chérie. Non, les Nigériens. J'avais un gars avec lequel je sortais là. Il aimait sa soeur. Dans le bon sens, hein. Pas dans les faux sens là. Donc, chaque soir, il dit qu'à 20 h, je dois appeler ma soeur avant de dormir. Il appelle sa soeur, elle prie pour lui. Il dit Amen, Amen, Amen. Elle dit May the Lord cover you, may His grace be upon you. Je regarde, j'ai dit que waouh, ça fait au moins 2 ans que je n'ai pas parlé avec mon frère. Vous voyez un peu dans quoi est-ce qu'on a grandi au Cameroun? Oui, les Camerounais anglophones sont aussi comme ça. Très pieux, très droit. Pas tous, mais comme ça. Donc tu restes avec un homme comme ça, tu sens que dans le fond du cœur de l'homme là, il n'y a pas la malice. Dans le fond de son cœur, il n'y a pas de mauvaise chose. Oui, non, le père à qui tu parles de celui de donner le paquet, il dit que ne dis pas à ma femme. Oui. Tu vas avoir quel respect pour lui. Tu vas avoir quel respect pour le papa là. Tu sais qu'il gère une femme ici, il gère une femme au pays. Il n'a pas dit aux deux femmes. Tu vas pas le respecter comment? Et parfois, même les Camerounais, quand ils voient deux jeunes comme ça, là, vous arrivez en Europe, vous êtes ensemble, vous dites que non, on va se marier, on a les rêves. Le tonton qui vous a accueilli, là, il va aller draguer ta copine. Ah non, ton gars là, c'est encore un petit. Regarde, moi, il y a les papiers ici, là, je vais m'occuper de toi. Laisse, je peux te guider ici, là, ma chérie. Pourquoi tu ne veux pas voir les jeunes là, tu les guides, tu appelles son gars, tu le conseilles. Les Camerounais sont méchants. Je ne descends pas les Camerounais, mais l'exemple qu'on a vu chez les Camerounais. C'est pour ça que parfois quand tu subissais dans l'enfance, tu subissais ça, tu étais toujours sûr qu'il y a une bonne voie. Je suis sûr qu'il y a la voie de la vérité. Quand tu vois ça, ça existe, ma chérie. Pourquoi tu ne vois pas un couple? Au lieu d'aller les gâter, tu conseilles plutôt. Tu vois peut-être une femme avec son mari, le mari est beau. Tu pars plutôt, tu veux draguer le gars, tu as des mini, tu es bizarre. Tu pars dans son bureau sans dire à sa femme qui est ta copine. Tu apportes la nourriture à son mari au bureau. Les femmes. Non, prends sa femme, tu dis que maman, regarde. J'observe ton mari. Tu vois comment il se plaint souvent de toi quand tu bavardes trop. Non, c'est vrai, tu bavardes trop. Calme-toi un peu avec ton mari, maman. Non, 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 elle va vouloir aller draguer plutôt le mec de la fille. Quand les gens se séparent, ça te fait quoi? C'est comme ça que vous faites après vos choses ne marchent pas. Tu as l'argent après on vole. Parce que toi-même là, tu as fait de mauvaises choses derrière. Peut-être qu'ils sont méchants, mais ils sont très bons au lit. Cameroun, si tu n'as pas encore goûté à Camerounais, tu n'as pas encore vécu. Ma chérie, tu sais, je pense que nous, les femmes, on doit arriver à une époque de notre vie où on sait ce qu'on veut dans la vie. Parce que si tu dis que c'est parce que tu es avec, supposons, il fait bien l'amour. Tu sais ce que c'est que pour une femme de savoir qu'elle a un homme qui est avec elle, qui est stable. Le foyer, ce n'est pas seulement l'amour, hein, ce n'est pas seulement l'acte sexuel. Il y a des femmes ici là que vous m'avez témoigné inbox. Tu étais malade, tu es à l'hôpital, ton mari, il envoie sa soeur. Il ne peut pas venir se coucher à côté de sa femme comme ça là. Tu veux pisser, il porte, il arrête le tour de la perfusion, il t'amène aux toilettes, il attend, tu pisses, il essuie ton derrière, il paye. Ouais, vous parlez même de quoi? C'est pas seulement l'acte sexuel. Quand tu commences à mûrir dans la vie, tu comprends que ce n'est pas seulement parce qu'on va faire. Non. Et ce n'est que chez les gens que j'ai vu un homme que le genre, il reste dans la chambre aussi, il a envie d'appeler sa femme. Oh, quand ça t'énerve même. Tu écris à qui? Ah, j'écris à ma femme pour lui dire que. Ça existe, maman. Tu la vois, dès que la pause sonne, vous partez bavarder là-bas les faux commentaires. Non, il est au téléphone avec sa femme. Tu dois d'abord comprendre
Si tu es dans une relation déjà et tu étais toujours. Stabilise-toi d'abord. Dis-toi d'abord que je suis arrivée. Tu as pris l'autre chez toi comme ta fille. Elle est partie chercher ton gars. Tu donnes l'argent des beignets, pourquoi? Et on ne va même pas passer sur les filles là parce que si on parle alors l'autre là. Je parle de ce qu'elle veut. Tu as compris? Tu as compris, non? Tu dis que revenons sur la sagesse financière. Quand j'enseigne, vous ne pouvez pas savoir le nombre de téléchargements mentaux que je suis en train de recevoir. Ce que je suis en train de dire là, ça a aidé quelqu'un. Ça a aidé quelqu'un parmi vous. Voilà. Moi, ma part, toujours en contact avec ses ex. Oui. Ya, Maëlys, qu'on ne peut pas toujours tout avoir. Soit tu as un sextoy ou tu as un bon mari pieux et respectueux. Fais seulement ton choix et assume. Marie, imagine qu'un homme qui soit avec ma mère me drague, la vraie sorcellerie. Aujourd'hui, quand il te voit, il a honte. Et il dit toujours, les enfants même qui acceptent ça, vous-même là. Quand tu payes ta dîme, tu vas commencer à avoir l'opportunité de faire les choses droit. Tu vas avoir l'opportunité d'arranger les choses. Tu auras l'opportunité de rectifier certaines choses. Je me rappelle, il y avait une époque de ma vie où je voulais faire le bien. Je voulais arrêter certaines choses, je n'arrivais pas. Je vous dis cash, je n'arrivais pas. Un jour, j'ai porté une grosse somme d'argent, plus que ma dîme. Je dis, Seigneur, je donne ça pour ma restauration. Je ne veux plus que les hommes mariés me draguent. Je veux aussi me stabiliser, Seigneur. Je veux aussi me stabiliser. Seigneur, comme je sème comme ça, quand j'entendais que quelqu'un se marie, je pars à son mariage, je paye les robes des filles d'honneur, ou je donnais tout quelque chose pour contribuer sur le mariage de la personne-là. Parfois, vraiment que les gens, un couple ne va pas bien, je prie pour eux. Ils ne savent même pas. Je prie seulement à distance. Que Seigneur stabilise moi. Moi, je veux aussi enlever les trucs de mon cœur. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on est parfois on est dans une société qui on est exposé à tellement de choses. Tu peux regarder une vidéo sur TikTok où tu vois une femme qui est pieuse, elle aime son mari la trompe, il la tape, il fait ceci. Ça sème quelque chose dans ton cœur qui fait que tu ne crois plus au mariage. Sans le vouloir. Et du coup, quand tu as une relation avec quelqu'un, tu fais tout pour gâter la relation. Tu fais tout pour gâter. Parfois, c'est comme si tu sentais comme un truc en toi que tant que tu ne gâtes pas, tu ne vas pas t'en faire. Sème, tu demandes à Dieu de te délivrer de ça, ma chérie. Je ne blague pas. Merci, Juju. Et je vous assure. Il y en a parmi vous, il y a des trucs que tu ressentais avant. Peut-être dans ton mariage avant, c'était bien, maintenant c'est gâté jusqu'à c'est pourri, gâté. Même Lazare, après 4 jours, il s'est encore remis en vie. Il y en a parmi vous, peut-être. Je vous ai dit que je voulais parler de l'histoire de Monsieur Abbé Solo. Pourquoi? Quand je vais repartir au pays, rappelez-moi que je dois faire un direct avec Monsieur Abbé Solo. Cet homme a 11 enfants. Et il dit que sa femme doit encore accoucher. Monsieur Abbé Solo est très marrant. Lorsque une femme vient de Mbek, elle arrive, elle dit que c'est toi, monsieur Abbé Solo. Elle le salue comme si c'est une star. L'autre jour, on allait quelque part. Il commence à me parler de son histoire, comme ça. Il me dit que quand il rencontre sa femme, elle a 4 enfants. 4. Lui-même, il a 3. On va continuer la suite de l'histoire avec lui. C'est lui-même qui va vous raconter.
même tu vas vous raconter. À son mariage, il a vendu 700 pagnes. 700 pagnes, s'il vous plaît. Je crois que monsieur Abessonou a écrit le livre. Il m'a écrit le livre, 5000 personnes vont acheter le livre. L'homme là m'amuse trop, il ne peut pas savoir. Monsieur Abessolo aime sa femme. Merde. L'autre jour, on est comme ça. Au bureau, j'ai une moto. Donc, il y a les jours qu'il y a les embouteillages de doigts là. C'est lui qui m'amène en ville. Donc, je suis derrière lui sur la moto comme ça là. Je vois deux traits sur sa tête ici derrière. Je commence à rire. Je dis que tu es parti te coiffer parce que tu as mis deux traits. Il dit non, 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 non. C'est la commande de madame. J'ai ri. Il dit que sa femme l'a amené chez le coiffeur. Elle a donné le modèle qu'elle veut. Oh, laissez, laissez. Ouais, s'il est en train de voir ça, il va rire jusqu'à. Aïe. Monsieur Abbès. Il dit que tout ce qu'il fait, il dit quoi? Je vais d'abord appeler. Attends, il demande à madame. Madame, je vais d'abord demander à madame Abbès. Il appelle sa femme madame Abbès. Oh, bless them, que le Seigneur les bénisse. Imagine une femme de 4 enfants. Tu te retrouves dans un foyer où tu es heureuse. Jusqu'à tu es heureuse. Pas son nom, vous voyez que c'est quelqu'un qui n'est pas familiarisé, bien sûr. Donc il y a certaines choses dans sa tête quand même. Il est très libre d'esprit. C'est un free spirit. Il ne complique pas les choses. Et il est allergique au faux. Ceux qui l'ont déjà vu physiquement, vous voyez comment il est. Comme il est là, c'est comme ça qu'il est. Il dit que ne passe pas devant lui, tu viens lui dire qu'il fait qu'on trafique ici. On fait. Eh, il va te dire que non, moi, il ne fait pas le genre là, madame. Il va lui dire que je ne fais pas le genre là, madame. Ça existe. Ça existe. Tu as réuni les idées pour écrire un livre sur cette partie de ta vie. Ah, c'est super. Si ça peut aider une personne qui est en proie au péché. Oui. Donc, même les petites chocolates là, vous croyez que vous pouvez draguer Monsieur Abessolo. Monsieur Abessolo n'est pas dragable. Erika, il n'est pas dragable. Laissez-moi vos affaires là. Elle lui demande, mais tu fais même comment dans ce Cameroun où les hommes sont toujours... Il dit que non, madame. En fait, pour lui, c'est simple. Il faut que vous l'écoutez parler. Tout pour lui, c'est tout simple. Il dit, mais c'est simple, non, madame. Ça existe, je vous dis. Voilà. Donc, j'ai parlé de payer sa dîme. J'ai parlé de la vision. Vous devez avoir une vision sur l'argent, très importante. Et c'est la raison pour laquelle il est encore avec moi, ça c'est vrai. Parce que toutes les personnes qui ont commencé à travailler avec moi, leur ai toujours dit que si tu fais le faux, ton esprit ne va pas rester chez moi longtemps. Mais si tu as la vérité, tu vas avoir sans souci, tu vas rester. Le nombre d'employés qui sont venus, qui ont voulu le mec prendre dans l'arrogance, oh vraiment, regarde comment il fait ça, il dit que non. Il l'observe pour sa part, parce que chacun a son jugement. Il dit, moi, madame, je suis un père de famille, madame, que j'ai 11 enfants, madame. Il faut entendre qu'il parle de lui. Il dit, non, moi, je ne peux pas faire ça, madame. Oui. Vous devez être ferme et ancré dans vos principes. Ayez vos propres principes. Ayez vos propres principes. Et quand tu as tes principes, tu vois ce qui est bien. Écoutez, quand on voit ce qui est bien, on connaît. Quand tu vois ce qui est bien, tu connais. Même si tu rejettes, mais quelque part dans toi, tu sais. Tu sais que ça, c'est bien. Il dit que je roule avec M. Abessor. C'est lui qui roule. À la base, c'était d'abord mon chauffeur. C'est maintenant qu'il est monté en grade dans l'entreprise. Maintenant, il fait beaucoup de choses. Il roule comme ça. Telle personne le salue. Telle personne le salue. Je dis que M. Abessor, tu es une star dans toi là ou quoi? Maintenant, vous êtes en Bengou, le connaissez maintenant. La dernière fois, il a absolument tenu à me rembourser 150 francs. Oui!
C'est comme ça qu'il fait. Si c'est 25, il dit, madame, attendez, je cherche 25, je vous donne. C'est comme ça qu'il fait. Non, en passant, je prie pour lui. Je demande que le Seigneur puisse continuer de le bénir. Je lui fais un voice pendant que je... C'est pourquoi il parle beaucoup de lui ce matin, comme ça. Là. Je déclare la bénédiction sur toi. Au nom puissant de Jésus, je déclare la protection sur toi, sur ta femme, tes enfants. Je déclare que tu ne manqueras pas. Je déclare que tu vas toujours continuer d'inspirer beaucoup de personnes dans ta vie. Je déclare au nom puissant de Jésus que tu vas impacter notre génération par ta vie au nom de Jésus. Que toute personne qui a formulé quelque chose de négatif contre toi, que cette personne ait honte, toute flèche maléfique qu'on a envoyée sur toi, je les retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Je déclare ta stabilité. Je te protège contre tout accident. Je te protège contre toute flèche maléfique au nom de Jésus. Je déclare que ta maison va encore s'agrandir, encore plus au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Et le truc, ce qui m'énerve chez les gens, c'est que les gens n'aiment pas ce qui est bien. Quand quelqu'un va voir ce qui est bien, vous allez vouloir critiquer. Quand tu vois que je suis bien, apprécie. Tu vois qu'elle a une belle chaussure, dis que ta chaussure est jolie. Tu vois une femme est belle, dis-lui qu'elle est belle. Donc, ça, pour les finances, j'ai bien dit, payez la dîme. Ayez une vision de ce que vous voulez faire avec l'argent. Lancez le business. Tu ne peux pas augmenter financièrement si tu ne lances pas un business. Pardon. Si tu épargnes, épargne pour un but d'investissement généralement. Mon contact Charlie, c'est sur la page. Regarde sur la page, tu vas voir le numéro de téléphone. 693-50-22-66. 693-50-22-66. Quand tu épargnes, pendant que tu épargnes, cherche déjà le business dans lequel tu vas investir. Une autre chose pour la sagesse financière. Dans tes débuts, tu dois répertorier tout ce que tu dépenses. Donc, n'essaie pas de réduire quelque chose au départ d'abord. Regarde seulement, ok. En une semaine, j'ai dépensé quoi? Peut-être que tu restes comme ça, tu as eu un coup de tête, pas, tu es parti dépenser 2000 francs sur le jus. Tu es parti acheter la jambe, tu es parti au Starbucks, tu as pris un café de 4 euros. Tu as pris, donc, tout ce que tu dépenses en une semaine, répertorie ça sur une feuille. Il y a une application qui s'appelle Monify. Monify. M-O-N-E-F-Y. Monify. Cette application-là te permet d'enregistrer tes dépenses et tes revenus. Donc, tu peux utiliser cette application-là. En une semaine, après une semaine, quand tu allais répertorier toutes tes dépenses et tes rentrées, tu peux voir, et le but en fait, c'est que tu vois que très souvent, avant que tu ne commences à canaliser tes dépenses, tu vas voir que très souvent, tu dépenses par impulsion. On t'a appelé pour te demander de donner, oh, donne l'argent de ceci. Tu es allé dépenser parce que telle personne t'a demandé. Très souvent, tu ne dépenses pas pour un projet. Depuis que tu es fidèle dans le paiement de ta dîme, le Seigneur pourvoit toujours, même quand tu es en difficulté. Merci Sylvie, c'est ma fille qui m'a donné cette fleur. Ma fille, elle est très intuitive. Elle est partie. Le matin, elle s'est réveillée à 6h. Elle est sortie ici dehors. Elle est partie cueillir la fleur qu'elle m'a donnée. Comme elle fait marcher le chien aussi dans le quartier, je crois qu'en faisant la marche avec le chien, elle a. L'ange mâle, bonjour. L'aigle mâle, bonjour.
Dis-lui d'attendre un peu. Quand je finis le direct, je vais t'appeler. On va faire les états de compte pour ceux qui vont acheter là-bas. Voilà. Donc, tu lui envoies 60 000. Envoie-lui 60 000. Merci Mélanie. T'es une belle peau. Merci. Donc, je crois que je parlais d'argent et je vous disais que tu dois répertorier. Tu vas voir que peut-être tu dépenses 500 pour le jus, 1000 francs pour ceci, 500 pour faire ça. À la fin de la semaine, tu vois que 5 000 est sorti de ton argent. Alors que si tu avais un objectif, quand les 5 000 allaient toucher ta paume de main, tu allais d'abord partir, avec les 5 000 là, tu allais d'abord partir acheter ce qu'il te fallait acheter. Supposons que tu veux lancer ton restaurant, ok? Tu as déjà fait le projet, tu as vu qu'il te faut 700 000. Et ensuite, le plan des 700 000, première étape, c'est peut-être acheter les assiettes. Ok? Acheter les assiettes. Tu as 5 000, tu mets de côté. 10 000, tu mets de côté. Tu portes peut-être 50 000, tu achètes d'abord les assiettes. Même si pour le mois là, il te reste, les jours qui te restent dans le mois là, tu vas utiliser seulement peut-être 20 000 pour manger. Donc, quand tu as un projet sur ton argent, dès que une rentrée d'argent vient, la première chose que tu veux faire, c'est d'abord sortir l'argent pour cette chose-là, pour ce projet. Comme ça, tu vas te retrouver au bout de 5 mois, tu auras acheté tout le matériel. Maintenant, deuxième étape, tu cherches donc à économiser l'argent. C'est ça, Diamond. La consultation, c'est 62 euros. Mais tu dois d'abord te laver au sel. Donc, si tu payes même, lave-toi au sel. Commence à te laver au sel en attendant de passer. Et ceux qui ont payé les consultations, écrivez-moi à nouveau. Hier, je n'ai pas consulté. Avant-hier, j'ai consulté toute la journée. Donc aujourd'hui, je consulterai à nouveau. Voilà. Donc, tu vas voir que en 2020, c'est là que j'ai appris cet enseignement et que j'ai commencé à. J'ai décidé d'économiser pour faire certaines choses. Donc ce qui se passait, c'est quoi? Je me suis rendu compte en 3 semaines que je buvais un jus chaque jour. Le jus, c'est 500. Je crois aussi que de temps en temps, tous les 2-3 jours, je mangeais les brochettes ou le soya. Et je mangeais souvent le poisson braisé. Donc, une fois par semaine, comme ça, poisson braisé. Et parfois aussi, à midi, je partais manger le héros. Il y avait une femme qui vendait le héros dans mon quartier, là-bas, à 2 000 francs. Donc, par semaine, je dépensais parfois 8 à 9 000 en extra. Quand j'ai commencé, je me suis dit, OK, j'ai tel objectif. Au lieu de dépenser l'argent 5 jours, je sais qu'une fois par semaine, je me fais plaisir. Les autres 4 jours, l'argent de ça va plutôt sur. Et quand tu as un objectif aussi financièrement, pendant une certaine période, tu peux te priver. J'ai interviewé une fille une fois. Avant, je faisais des interviews. J'interviewais beaucoup les gens. Donc ça, c'est un projet que je suis en train de remettre sur la table. J'ai interviewé une fille, un couple. Et Coco et... Il s'appelait Koué. Mais je sais que Coco, elle s'appelait Coco. Et lui, il s'appelait Koué. Koué, je pense. Je ne sais pas si vous les connaissez. En Allemagne, ils doivent déjà être quand même avancés dans le dans les en ligne. Attendez, je vais regarder un peu si je peux les trouver. Je les trouve pas. Je crois que ça s'appelait Qualé. En tout cas, de leur interview, voilà ce que j'avais retenu, qu'ils m'ont dit qu'il était très intéressant. Un moment, ils voulaient, pour lancer leur première vidéo de YouTube, ils avaient besoin de 600 euros, 610 euros pour acheter une caméra particulière. En tant que couple, ils m'ont dit dans cette interview que pendant un mois, ils ont mangé le riz chaque jour. Parce que le riz était le menu le moins cher. Et je crois qu'en un mois et demi, ils ont acheté leur caméra. Donc, parfois, tu peux avoir un objectif, un but. Demande-lui combien il lui a donné. Donc, parfois, tu peux avoir un but. Et c'est en fonction du but. Tu mets la priorité sur ça.
Ce qui fait que toutes tes idées convergent vers là. Tout ton argent converge vers là. Tu vas voir que tu vas manger le riz pendant 2 semaines, tu ne vas pas mourir. Moi, j'ai une politique, même si c'est le tapioca que je dois manger, je mange le tapioca. Pour un début, parce que tu as attendu que les gens t'investissent sur toi depuis. Qui t'a appelé pour te donner l'argent? Même si on t'appelle pour te donner l'argent, c'est bien quand tu as quand même d'abord ton argent, non? Imagine quelqu'un te dit que je vais t'aider. Tu as combien? Oh non, j'ai 200 000, tonton. C'est facile pour lui de porter 300 000, mais j'ai 200 000. Ah, tonton, je n'ai encore rien, tonton. Tu vois que quand tu es la première personne, il y a plus de chances qu'on t'aide parce qu'on voit que tu fais quand même l'effort. C'est pas pour rien que la banque te demande l'apport avant de te donner l'argent. Parce qu'on veut voir si tu es sérieux. Si tu n'as pas pu te discuter toi-même pour économiser telle somme d'argent, tu crois que c'est quand la banque va te donner que tu vas économiser? Donc apprenez à vous discipliner financièrement pour un objectif. Pour la consultation, j'ai le lien dans ma bio là. Demande-lui de faire la liste détaillée de ce qu'elle va acheter. Elle écrit, elle envoie pour me prouver que les 30 000 là ne vont pas suffire. Tu dis que c'est ce que j'exige maintenant. Qu'elle va faire la liste, qu'elle va acheter quoi à combien, quoi à combien. Demande-lui comme ça. Des employés, c'est là que passer mon temps souvent, à vous je donne l'argent comme ça, la personne vient te faire que j'ai dépensé 100 000. Tu as acheté quoi avec 100 000? Ça fait partie aussi de la sagesse financière. Tu dois être méticuleux sur ce que tu donnes aux gens pour faire des trucs pour toi. Bonjour, Emilienne. Avant, tu passais le temps. Quelqu'un demande, tu sors seulement l'argent. Ta mère dit, je veux l'argent. Ce n'est pas parce que c'est ta mère que tu ne vas pas demander. Souvent, tu es en relation avec quelqu'un. Tu es discipliné, tu es économisé. La personne se l'opposait. Et quand la personne a les problèmes, il te demande tous les jours. Je ne te donne pas. Je ne donne pas. Ce sont les choses comme ça qu'il faut que vous restiez tout dans les trous financiers. Donc, tu vas être discipliné pour dire non. Donc, dans ma bio, vous avez le numéro, le lien Bitly qui est sur ma bio là-bas. Ça, c'est ça donne sur WhatsApp. Vous demandez une consultation, vous écrivez, vous demandez la consultation. Supposons que tu vas acheter une machine, peut-être une machine à glace. De 200 000 que tu vas déposer quelque part, voilà la saison sèche qui va te donner de l'argent. Tu es en train d'économiser ton argent, tu es en train d'économiser. Tu économises ton argent un peu. Ton gars vient là-bas, voilà. Et vous savez, souvent nos gars là savent qu'on a toujours l'argent. Ah, ma femme a toujours l'argent, mais elle a toujours un argent caché quelque part là. Et non, j'ai tel projet que j'ai prévu. Tu sais, parfois l'un touche même plus que toi, mais c'est toi qui économises plus que lui. Je voudrais savoir si les actions qu'on pose au quotidien, aux uns, aux autres, sans être sollicités, ne peuvent pas nous décanter les difficultés financières. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Si quelqu'un comprend ce qu'elle veut dire, qu'elle a besoin d'écrire. Les actions qu'on pose au quotidien, aux uns, et aux autres sans être sollicités ne peuvent pas nous décanter des difficultés financières. Ça veut dire quoi? Si on t'a pas sollicité, ça veut dire que tu es parti là-bas donner ton tu es parti offrir tes services sans qu'on ne te paye. Si on t'a pas sollicité, ça veut dire que c'est ceux qui vont pas te payer, non? Pardon, si vous comprenez ce qu'elle dit, vous m'expliquez aussi. Hein? Elle a dit sans être sollicité. Ne pas faire le salaka en espérant que comme tu as fait le salaka, l'argent va tomber du ciel. Fais le salaka, si tu parles dans ce sens-là. Fais le salaka, maintenant, pas chercher ton argent. Vous devez avoir des activités qui vous donnent de l'argent. Tu vas te lever le matin, tu ne planifies rien pour ta journée parce que tu veux que tu vas aller aider les gens.
Ça, c'est la paresse, ma chérie. Ce n'est pas de l'aide. C'est la paresse. Les salakas, c'est quelque chose qui joue beaucoup en notre faveur. Mais Dieu ne bénit que ce que tu as commencé à faire. Parce que je vous connais. Tu vas aller faire le salaka, tu vas te coucher à la maison, tu vas regarder mes directs, tu vas dire que l'argent va tomber. Par contre, tu fais le salaka. Supposons que tu as ton restaurant. Tu prépares, tu vends. Le quart de cette nourriture, tu donnes aux nécessiteux. Dieu va bénir ta vente de nourriture. Vous suivez bien? Ça va ouvrir les portes, mais il faut bien que tu... Écoutez, l'argent n'augmentera dans votre poche de façon constante qu'à travers des business. Augmenter de façon constante. Ce n'est pas que chaque mois, tu vas te dire que, Seigneur, que quelqu'un me donne encore ce mois. Non. On bénit ce qui marche déjà, ce qui en marche, ce qui est en route en train de rouler. Quand tu te lèves le matin, tu dois avoir un plan pour ta journée. Tu dois avoir mis quelque chose sur pied que, ok, si quelqu'un vient aujourd'hui qui va me donner l'argent, il peut acheter telle chose, il peut acheter telle chose, il peut acheter telle chose. Dieu bénit l'effort. Merci Prisca. Il bénit l'effort. Parce que vous connaissez, vous êtes à la maison. Oui, ça fait 5 ans que j'ai perdu mon travail. Ma chérie, tu sais faire les beignets, non? Fais les beignets, tu vends. Non, tu sais. Ma chérie, tu sais faire la bouillie, non? Fais la bouillie, tu vends. Tu sais tresser, non? Mets, écris sur le tableau, achète la doise de 50 ou 150 au marché. Prends la craie, tu écris dessus. Coiffeuse ici. Vous aimez rester dans la pauvreté pour avoir les excuses bidons. Comme tu as fait les aumônes, les dons là, tu as écrit maintenant, tu as ouvert ton business. Dieu va faire, on va voir ton business, on va venir maintenant. Il va faire, les clients vont venir te donner. La Bible dit dans Luc, give and it will come back to you. Je vais vous lire ça. Luc 6, verset 38. Ce n'est que la sorcellerie qu'on croit que l'argent tombe du ciel. La Bible ne dit pas aide-toi, le ciel t'aidera. Ce n'est pas un passage biblique. Tu as compris, Manon? Aide-toi, le ciel t'aidera. Ce n'est pas un ciel, c'est pas un passage biblique. Va sur Google, tu écris aide-toi, le ciel t'aidera. Bible, ce n'est pas dans la Bible. Bon, Luc 6, verset 38. Quand il y a quelque chose dans la Bible, je vous dis que ça vient de la Bible. Si ce n'est pas la Bible, je vous dis. Donc ne venez pas donner la parole, dites que c'est dans la Bible. Écoutez bien. Donnez et il vous sera donné. Dieu a dit que comme toi-même tu prends, toi-même, le nécessiteur là a aussi prié que oh, Dieu aide-moi. Dieu t'a parlé, tu es parti donner. Donc quand tu donnes, tu es la main de Dieu sur la terre. De la même façon, toi-même tu vas prier. Dieu va aussi parler à quelqu'un. Il faut que j'achète pas la consultation de la femme. Je fais une enseignée comme ça, je fais des consultations, je fais les lavages, je vends les kits, je vends les produits, je vends les bracelets, je vends les ceci, je vends les cela, n'est-ce pas? En passant, on va faire les sacrifices au village aujourd'hui. Donc, tous ceux qui ont demandé les sacrifices, là, contactez-moi inbox. Vos vidéos seront là demain, ce soir ou demain. Sacrifice d'animaux, tout ça là. Ça, c'est en privé, je n'explique pas ça ici. Je n'explique pas tout sur Facebook ou sur TikTok. Ok. Ok, continuons. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Dont vous serez servi. Si tu as pris la louche, tu vois, quand tu battais pour donner, non, tu as dit que ah, je donne beaucoup à la femme, c'est pourquoi. Quand tu peux acheter le produit de quelqu'un, tu discutes, tu t'assois, tu discutes pendant 5 heures de temps avant de payer sa marchandise. Ne te dérange pas. Quelqu'un va quitter de sa maison avec la chaise, venir s'asseoir dans ta cour pour discuter tes produits. Tu comprends? Si tu as pris la louche
Voilà là, ma part de louche. Tu as pris la louche pour ramasser comme ça là. Et comment quoi? Regarde comment. Elle a beaucoup d'argent. Je veux que j'achète ça à 50 000. Pourquoi? Non, 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 non. La même mesure que tu utilises pour mesurer, pour quelqu'un va mesurer ta part. Et le moyen le plus sûr et stable et constant par lequel tu reçois. Premier, le commerce. Qui ici peut avoir une promotion tous les mois pendant 12 mois? Ok, janvier, promotion. Février, promotion. Mars, promotion. Avril, c'est impossible, non? Crée ton business. Tu sais que tes revenus peuvent augmenter dans ton business tous les mois. Tu sais ça. Vous savez ça, non? Je suis allergique à la pauvreté. Et vous êtes pauvre parce que vous-même, vous ne connaissez pas et vous ne faites pas. Tu dois avoir une activité dehors. Que si quelqu'un vient... J'ai reçu un ami chez moi une fois, il vient m'annoncer que sa femme a accouché. J'ai dit, waouh, je félicite, da, 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 je prends une des boissons que j'ai dans mon bureau. J'ai dit, bon voilà, voilà mon cadeau pour ta femme. Ok. En sortant, il arrive dehors, il regarde mon armoire, il a pris trois bracelets. En tout cas, il a dépassé 20 000 le jour là. Imaginons, je ne vendais rien. Quand il allait finir, est-ce qu'il allait sortir, il allait partir? Parfois, les gens ne vous donnent pas l'argent parce que vous n'avez aucun produit que vous vendez. Vous n'avez aucun service que vous vendez. On vient à tes directs, on te regarde pendant des heures. Tu ne consultes pas. Tu ne coaches pas. Tu ne vends aucun produit. Rien. Je ne suis pas coach, hein? Moi, je ne suis pas les coachs. Tu vas aller laver les toilettes pour payer ton loyer. Le lavage, c'est 33 000, non? Voilà. C'est bon. J'ai assez crié sur vous aujourd'hui comme ça. Là. Laissez-moi pas vivre ma vie. Vivez aussi votre vie. Allez vivre votre vie. Si vous n'avez pas compris, vous n'avez pas compris. Hein. Je ne peux pas vous forcer. C'est ça qu'elle veut parler comme ça, même demain, tu ne vas pas trouver de business, tu ne vas rien faire. Tu n'as aucun service que tu vends aux gens. Donc je bénis vos engagements financiers, je bénis votre... Que l'enseignement, s'il vous permet de vous lever. Je voudrais dire ceci, je travaille et quand je touche mon argent, je donne peu, un peu aussi aux nécessiteux, mais parfois, moi-même, je suis bien coincé. Est-ce que... Dans ce cas, je dois faire la dîme. Tu ne payes pas la dîme parce que tu es bloqué. J'ai enseigné, c'est là la dîme. Quand tu reçois ton premier salaire, tu payes ta dîme d'abord. C'est le premier agent qui sort de tes revenus. Et donc, tu as dit que c'est quand tu es bloqué que tu veux payer la dîme. Non. Merci beaucoup. Je pensais à la restauration et depuis vous ne faites que donner des conseils sur ça. Oui. Ma chérie, quand ton argent est restauré, tu respires. Vos maris sont stressés. Vous-même, vous êtes stressés parce qu'on n'a pas l'argent. La pauvreté stresse. Imagine, tu reçois chaque jour, tu as un peu d'argent qui entre. Un peu, un peu. 10 000 aujourd'hui, 15 000 demain, 5 000 après-demain, 10 000, 15 000. Mentalement, même, ça te stabilise un peu. La dîme et le salaka, ce n'est pas la même chose. Je déclare la sagesse financière sur vous. Je déclare que le côté finance, ce n'est plus un côté de votre vie où vous allez avoir des problèmes. De ce côté-là, je déclare, donc je déclare sur vous la richesse à partir d'aujourd'hui. Quand on reste, on te demande, tu dis que non, je suis riche, moi j'ai l'argent. Et donc, après ce degré, il y a le degré où maintenant tu cherches à étendre tes investissements. On parle maintenant d'investissement. Après le degré où tu as les investissements maintenant à grande échelle, tu commences à investir les millions. Mais quand la fondation n'est pas bien faite, tu fais après, tu montes, tu tombes. Tu montes, tu tombes. Tu montes, tu tombes. Mais quand tu fais bien la fondation, tu montes chaque jour. 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 C'est comme ça. Écrivez, je monte chaque jour. Mon argent augmente chaque jour. Oh, oh, oh.
biggie biggie something. Come follow me, celebrate. Hey, hey, hey. Come follow me, celebrate. Ting 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 ting. Il y a un niveau où tu n'es plus dans la pauvreté. Il y a un niveau où tu ne souffres plus. Parce que tu connais là que tu as engagé un système qui fait que l'argent va toujours entrer chaque jour. Je vous assure, quand l'argent entre, et il faut échelonner vos business. Il y a le grand business que l'argent ne ça tombe qu'une fois tous les mois, ou tous les 6 mois, ou tous les 2 mois. Et quand ça tombe, c'est même les 10 millions, les 15 millions, les 100 millions. Il y a le moyen que tu sais que bon, toutes les semaines, je peux avoir même 500 000 sur ça, 200, 300, 1 million. Tu as dans le petit, que chaque, c'est la petite boutique que tu as mis devant la porte, que ta femme, si on vient, on fait un con-con, elle qui derrière, elle vient et vend un petit truc. Con-con, elle vient, l'autre là, ça entre tous les jours. Échelonnez vos business. Je me rappelle un de mes tontons là, en Turquie, il m'avait expliqué un jour un truc que quand tu fais le business, même si tu as la boutique, tu vends les choses de 1 million dans ta boutique, tu vends aussi les choses de 5000 francs, même pour 1000 francs. Il dit, ne fais jamais le business de telle façon que quelqu'un entre, il ressort sans prendre quelque chose. Jamais. Il entre, même si c'est le chewing-gum à la porte qui va prendre. Mais il faut qu'il a donné l'argent dans ta poche. On devient riche avec les petits agents, avec les gros agents, petits, moyens agents, tous les quartiers d'agents. Pour vous, quand je veux le grand agent, je reçois à 5 milliards, je reçois. Apprends à cadrer, tu prends, tu attrapes tes 5 000 d'abord. Après, tu recadres, tu attrapes tes 10 000. Après, tu prends tes 100 000, 200 000. Soyez sages, s'il vous plaît. Arrêtez d'être bête. Vous allez payer mes produits avec quoi? Tu dis à quelqu'un que le lavage c'est 30 000, est-ce qu'elle va faire 3 mois pour économiser 30 000? Je te bloque, je te dis quitte, quitte. Tu dors, tu es paresseuse. Tu es paresseuse. L'argent te donne une liberté mentale. Mentale d'abord. On ne t'insulte pas n'importe comment. Tu arrives souvent quelque part, tu sors seulement 3 000, tu donnes à boire à tous ceux qui sont là. Ou 5 000. Leur visage change avec toi. Je vous dis. Tu vas alors être pauvre pourquoi? Hush. Tu vois souvent quelqu'un comme ça là, il est là, c'est chaud sur lui. C'est chaud sur lui. Tu viens, tu mets une petite bouteille de jus devant lui comme ça là. Hey! Tu as mis le sourire sur son visage. Vous ne devez pas être pauvre. Vous ne devez pas être pauvre. Je n'aime pas la pauvreté. Ta femme gère ta cave, ta buvette et ton taxi. Supposons que tu as la buvette et tu as le taxi. Quand vous prenez l'argent du taxi ou l'argent de la buvette, l'argent que tu prends d'un endroit, tu ne dois pas le manger. Même si j'ai n'importe quel problème, considère que si je n'avais pas l'argent, si je ferais quoi? Parce que la raison pour laquelle vos business tombent, c'est parce que les premiers agents de ça vous prennent. Oh, comme le taxi est un peu entré. Dès que ça entre, tu dois avoir un compte Orange Money à part. Que tu sais que tu n'as pas accès à la puce là tous les jours. Chaque jour, sur la recette peut-être, la recette c'est 100 000. La semaine ou le mois. Supposons 10 000 par jour, le bénéfice. Ok? Tu prends les 10 000 là. Tu disciplines ta femme de telle façon que 4 000 francs, maman, on met de côté, on ne touche pas. 1 000 francs paye la dîme. 6 000. Parce que quand tu fais la buvette, si tu es bien organisé, c'est que normalement ton travail que tu fais te donne de l'argent pour la maison. Donc tu n'as pas besoin de toucher l'argent du bar. 4 000 francs, vous économisez. Ça, c'est dans le but d'ouvrir une deuxième buvette ou d'acheter un deuxième taxi.
Écoutez bien. 1000 francs, c'est pour la dîme. Les 5000 qui restent cotisent. Ça, c'est peut-être pour arranger la buvette. Peut-être tu as fait une buvette au départ, tu as même mis les chaises en plastique de Mbobicon, on achète à 4000 ans. C'est pour les besoins de cette entreprise. Et elle-même, ta femme, tu lui dis que la raison pour laquelle elle te laisse là-bas, c'est pour que quand tu reçois l'argent, tu me te dis que son salaire à elle, si les 10 000 là, son salaire à elle, c'est 2 000 par jour. Ou 3 000 en fonction de. Mais j'aurais préféré conseiller que économise l'argent, une partie pour faire le prochain, une autre partie c'est la dîme, et une autre partie c'est pour mettre le stock. Parce que souvent vous avez des magasins, c'est vide. Le client arrive, il n'y a rien dedans. Parce que tu as mangé le premier argent de ça. Souvent tu ne payes pas la personne qui travaille sur place. Parce que tu as pris l'argent, tu vas faire autre chose avec. Maintenant quand il faut payer la personne, tu n'as pas l'argent. Quand tu sors un business, l'argent de ça ne touche pas. Considère que tu es en train de taxer, tu avais volé l'argent que tu as investi là-dessus. Supposons que tu as ouvert ta buvette à 2 millions. Considère que tu es en train de taxer, on t'a soutiré les 2 millions là. Ne cherche pas à piocher dedans. Non. Écoutez, même si vous ne prenez rien de mon direct, et ça m'énerve parce que je dis ici, je vous donne du savoir, mais vous avez rejeté le savoir. Oh. Ce n'est pas l'argent qui vous manque. Vous ne connaissez pas gérer l'argent. Et tu vas voir que l'argent que tu économises là, tu peux encore ranger la peinture. Au bout de 2-3 mois, tu achètes de belles chaises. Tu mets là-bas. Après, tu fais maintenant, maman, quoi, on va faire la braise là, le soir. Tu cherches maintenant une personne, un deuxième employé, il se met là-bas pour briser. Tu ne touches pas toujours l'argent de ça. Tu ne touches pas. Ne touche pas. Tu pensais aux sorciers alors que c'est toi-même. Ouais, Seigneur. Écoutez, moi, mes activités, ceux qui me suivent, vous, mes choses avancent toujours. Tu ne peux pas venir dans mon truc aujourd'hui, tu viens dans 2 mois, tu vois que... Yeah. Ouais. C'est le cas qui part. Et je ne blague pas. Et tu vas au moment où tu vas s'embellir. Tu as fait la peinture, tu as mis les belles chaises. Tu as acheté la sono, un bon baffle. Tu mets maintenant là-bas, les gens même dans sa suite sont à l'aise. Tu as plus de clients, ton bar commence à devenir beau. On aime rester dans les endroits qui sont beaux. Tu vends plus. Vous ne savez pas faire le business. Hey, j'ai mis mon endroit, personne ne vient. Ouais, je passe une journée, je ne vois même pas un client. Quand tu as ouvert, ils sont venus pour voir. Un mois plus tard, ils sont revenus. Après 6 mois, ils sont revenus, ils ont dit qu'ils ne passent plus. Quand j'arrive dans une boutique, je demande, tu as ça? Non. Tu as ça? Non. Tu as ça? Non. Je reviens dans une semaine. Tu as ça? Non. Tu as ça? Non. Je ne passe plus chez toi. Je ne passe plus chez toi. Tu ne pourrais pas faire le commerce. En fait, tu me perds mon temps. Le temps que tu es prêt pour aller dans ta boutique, tu me perds le temps. Évangélie, je vais te bloquer. Tu as compris? Faut quitter avec tes fausses questions là ici. J'ai enseigné sur ça. Je viens d'enseigner sur ça. Tu as fait les questions depuis pour embrouiller les gens. Eh, pardon. Parfois vous faites comme ça là, que vous-même là, vous avez votre part de noix que là. C'est pour ça que j'enseigne comme ça, ça n'entre pas dans ta tête. Ta tête est dure. Ton cœur est noir. Je vous connais. Paye un peu la dîme sur ton business, tu vas voir. Paye. Paye la dîme pour les 2-3 prochains mois, tu vas voir. Économise. 4 000 chaque jour, fois, supposons que tu fais ça une fois par mois. Oh, le cœur là va bien avec ma fleur. Ok, merci pour le cœur. Donc, on va faire 4 000
fois par semaine, si on fait ça 6 jours, tu ouvres ton bar 6 jours la semaine. Fois 6, ça fait 24 000 la semaine. Ça veut dire qu'en un an, si tu mets 4 000 de côté chaque jour, tu as 1 250 000 à la fin de l'année. Parce que tu t'es discipliné, tu as dit que tu mets l'argent là-bas, tu oublies. Tu oublies. Tu sais ce que ça fait quand tu pars voir dans un compte d'épargne que tu as 2 millions là-bas? Quand tu cherches comment tu as encore grandi, tu as déjà la braise et le tout dans ce bar-là. Maintenant, peut-être que tu avais prévu faire maintenant le shopping, je ne sais pas. Parce que quand tu as l'argent, les idées de business vont venir. Les idées de business vont venir. Il y a l'argent dehors. L'argent n'a pas disparu sur la terre. Quelqu'un n'a pas mis l'argent dans un trou, il a brûlé le tout. Il y a l'argent dehors. Mais tu ne connais pas comment discipliner ton argent. Tu ne connais pas. Multipliez vos activités, s'il vous plaît. J'ai bien parlé qu'il a dit qu'il a la buvette et le taxi. Tu économises l'argent du taxi pour acheter le deuxième taxi. Donc voilà qu'en l'espace d'un an et demi, tu as trois taxis dehors, tu as deux bars. Ah, elle est dans la sorcellerie. Non, 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 non. Tu n'es pas dans la sorcellerie, mamie. Tu es devenue sage. Tu as la sagesse financière. Maintenant, tu diriges un peu l'argent, maintenant, tu dis que je vais acheter le terrain. Tu achètes, tu te décides en 6 mois ou un an. L'argent que tu portes de là, tu déposes sur un terrain, tu oublies. Le principe, c'est que les agents que tu économises, tu mets dans un business, tu oublies. Tu mets, tu oublies. C'est pour ça que quand tu te cherches, tu vas vivre même 5 ans. On va tout te voir dans la petite chambre. Ah, il a deux bars, il vit dans un studio de 50 000 avec sa femme. Il a deux bars, il n'a pas la voiture. Oui, j'ai la petite moto. Je vous ai dit cela que j'ai la moto à ma capelle. Vous savez comment la moto est facile pour conduire à Douala là? Avec tous les embouteillages là. Quand elle ne sort pas quelque part, elle sait que je ne peux pas m'arrêter. Rien ne peut m'arrêter pour aller à mon rendez-vous. Je suis toujours à la maison de toutes les façons. Je me suis rendu compte que la voiture que j'avais dehors, mais j'ai dit, ok. Tu vois, tu as trois taxis. Tu es tout dans l'appartement de 75 000. Quatre taxis, deux bars. Tu as acheté trois terrains. Tu payes tout le loyer 75 000. Tu connais là où tu pars. Tu connais là où tu pars. On n'est pas là pour impressionner les gens. Voilà. C'est le cas à mon mari, oh, dans un entrée couchée, parce qu'on crée d'autres business. Demain, quand tu vas te décider, comme si tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Si tu veux, tu parles au moins à 200 000, 300 000. Tu sais que par mois, tu as au moins 3 millions qui entrent dans ton compte. Au moins. Parce que tu as mis, tu as été strict. Ouais. Laissez. Vous voilà. Non, moi je veux aller vivre dans un appartement de 150 000. Je veux. Courez! Courez! Tu es dans un appartement de 150 000, ton salaire c'est 300 000 au mois. Tu es bête. Tu me suis. Tu es bête. La bêtise là, ça t'a pris. It don't take you. J'ai demandé que vous achetiez la brosse pour les toilettes. Est-ce que vous l'aviez fait finalement? La brosse pour les toilettes. Et le gel pour laver les mains. Dis-lui que je veux les prix. Est-ce au chat que je vais lâcher les choses? Dis-lui que je veux les prix. Elle ne dit pas les prix, je ne donne pas l'argent. Voilà. Arrêtez-moi cette bêtise-là. Donne l'argent, donne l'argent. Dis-moi combien je vais dépenser de mon argent au marché. Excusez-moi, j'ai fini avec ça. Ouais.
Vous avez bien suivi, non? Vous tous, vous devez avoir le business. Quand il vous dit qu'on va faire souvent les conférences, qu'on vient avec les Ben, avec les Lamborghini, vous croyez qu'on va prendre l'argent de ça où? Tu attends que c'est ton gars, c'est. Ah, je vais me marier avec un homme riche. Non, toi-même, tu seras déjà riche, mamie. Tu seras déjà riche. Seigneur, donne-moi un homme riche. Seigneur. Non, mamie, deviens riche. Arrêtez-moi vos bêtises là. Je vois les femmes qui font les TikTok pour montrer comment attirer un homme riche. Je vais vous montrer comment devenir riche. Comment devenir femme riche. Comment devenir un homme riche. Ils n'aiment pas la pauvreté. Attends, vous croyez que les gens qui ont les grosses voitures dans votre pays, dans votre ville là, dans votre quartier, vous croyez qu'ils sont faits, ils sont en argent? Tapotez vos écrans. Oh, tu veux venir au Cameroun me bénir? Bénissez-moi, moi-même je vous bénis. Genèse chapitre 12. Dieu a dit de moi, Jocelyne, qui bénira tous ceux qui me bénissent. Et il maudira tous ceux qui me maudissent. Donc le retour à l'envoyeur sur moi est très grave. Tu me bénis, ça se retourne sur toi. Pia, ça te gifle. Aïe, 1 million, c'est comment non? 10 millions, oui, c'est comme ça. Écoutez, je suis arrivé à un niveau de ma vie où je ne discute plus avec quelqu'un. Je suis trop en paix dans moi-même. Et je veux que vous ayez ça. Comme tu souffres aujourd'hui, tu n'as pas l'argent là, ma chérie. Ton loyer en retard. Parce que tu étais bête financièrement avant. Acquiers la sagesse. Acquiers l'intelligence. Acquiers ça. Sagesse, toi et moi, marche ensemble maintenant. Et quand tu veux devenir riche, ne cherche pas à impressionner les gens. Vous voyez, chaque fois que je suis en habit blanc ici, là. Mon habit, ça coûte 8 000 francs. Mon habit coûte 8 000 francs. Ce qui se passe au Cameroun spirituellement, ne viens pas, papa. Peut-être que toi, tu vas venir avec la malchance spirituelle. Pardon. Il n'y a rien au Cameroun de mal. Si tu viens avec le mal, tu recevras le mal. Même quand tu vas derrière l'aéroport, tu auras des problèmes. Il n'y a rien de mal au Cameroun. Je ne cours pas. Je ne suis pas pressée. Je ne suis pas pressée. I am not in a rush. Apprends à prendre l'argent, tu places dans tel endroit. Ne te précipite pas pour les habits, ma chérie. Les chaussures, ne te dérange pas. Ne cours pas. Au lieu d'être bien habillé, je sens bon. Bon, c'est vrai que les parfums, j'en ai tellement. Quand vous venez de l'Europe, là, apportez, je ne vais pas refuser. Il y a tellement de parfums maintenant que je sais pas. Parfois, je reste, il faut même 2 mois sans voir un parfum. Après, je trouve encore ça quelque part. Bon, on peut dire que ça sent bon, mais ça sent bon. Maintenant, je préfère que mon compte bancaire sente bon. Tu checkes tes comptes comme ça là. Tu as 5 comptes qui ont chacun même 10, 15 millions, 20 millions, 30 millions. Chacun. Oui. C'est possible. Échelonne tes choses. Vous avez vu que ceux qui me suivent, quand tu viens à côté de moi, tu commences à supplier, aidez-moi, aidez-moi, je n'aime pas. Apprends à te défendre pour toi-même. Maintenant, réfléchis. Tu investis. Tu échelonnes tes choses. Ce qui fait que je ne veux pas les mendiants. On est des donneurs. C'est plutôt nous qui donnons. Il y en a qui viennent me dire que donne pour moi. Si tu ne me donnes pas, ta main sera comme ça. Dieu ne va pas me punir parce que je refuse de te donner. Cache. Dieu ne me punira pas parce que moi, Jocelyne, j'ai refusé de te donner. Ça fait mal au cœur, non? Voilà. Même ceux qui ont refusé de t'aider depuis là, Dieu ne va pas les punir. Maintenant, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Commence toujours par un petit. Commence là où tu es. Là où tu es. On économise pour investir. Je viens de vous dire ça. On ne mange pas son premier argent. Son premier argent, c'est son fils. On ne mange pas son petit-fils. On ne mange pas son arrière-petit-fils. On ne mange pas son arrière-arrière-petit-fils. On ne les mange pas, on les réinvestit. On les réinvestit. Et il y a les moyens pour multiplier l'argent dans n'importe quel pays.
Au Cameroun, il y a les business qui multiplient l'argent. En Bengui, il y a les business qui multiplient l'argent. En ligne, il y a les business qui multiplient l'argent. Donc, tu ne peux pas dire que tu sais, je suis à Bouddha. À Bouddha, il n'y a rien. Non, laisse ça. Laisse ça. Voilà. Vous avez compris, non? Voilà, j'ai beaucoup bavardé aujourd'hui. Laissez-moi pas maintenant chercher mon âme. Venez me donner l'argent, venez. Achetez vos kits, achetez les kits fondation. Vous avez tout dit que je ne suis pas le genre qui fait le direct. Je passe 30 minutes pour parler des produits et je fais 20 minutes de direct. Je prends toujours 3 heures, je bavarde dans vos oreilles. À la fin, il vous dit achetez mes produits. Voilà. Il y a les bracelets-ci. Il n'y a même pas de nouveauté. Bon. Voilà les bracelets œil de tigre. Quelqu'un a demandé ça pendant le direct. Il y a ça à Douala. À Douala, je les vends à 8 000 maintenant. Ce n'est plus 7, c'est 8 000 francs. 8 000. Ceux-ci, c'est 12 000. Ceux-là. 12 000, ça. Il y en a aussi pour les hanches. Il y en a aussi pour les pieds. Voilà. Jehovah has done something. Oh, now biggie, biggie, something. Come follow me, celebrate. Il y a ces trucs-là pour brûler l'encens. Tu es au bureau, tu mets ça sur ta table de bureau. Donc tu mets l'encens ici, tu piques ça ici. Ça se vend à Douala. Ça rend quand même l'atmosphère propre. La cendre tombe ici, après tu verses dans la poubelle. Donc il y a les bracelets. Il y a les nouveaux bracelets là qui sont en quoi là? Je n'en ai même pas ici. C'est les bracelets en pierre là. Donc ça c'est les bracelets mauvais œil. Mais il y a les bracelets qui sont en... Je crois que c'est en plaquet. Bon, en passant, mes choses ne sont pas moins, c'est pas moins cher. Donc, ne venez pas pour négocier le prix que ouais. Donc, si tu vois mes choses, tu peux, ça se vend aussi ailleurs moins cher que chez moi. Je m'assure toujours que je me vends mes produits plus chers que tout le monde. Oui. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime ça. Ça me plaît. Les bracelets, c'est pour... ça canalise l'énergie, ça protège. Ça protège. Oui. Par exemple, ça c'est une pierre aile de tigre. Tu peux avoir un truc comme ça là, tu mets dans ton porte-monnaie. Tu mets dans ta poche. Et aussi la tourmaline. Tu as un truc comme ça en tourmaline, tu mets dans la poche. Donc, j'ai un bracelet ici que je vous montrais l'autre jour. Ça c'est la tourmaline. La tourmaline, ça. Donc, ces bracelets sont essentiellement faits de pierre. Et le but des pierres, c'est d'enlever, ça enlève les mauvaises énergies, ça restaure votre propre énergie. Par exemple, ça, voilà, bon, ça c'est mon mari qui me l'a offert. Donc je ne vends pas ça. C'est mon mari qui m'a donné ça. Il sait que j'aime tellement les pierres. Donc, je crois, il y a une autre l'autre jour qui m'a dit que son mari lui a offert des pierres pour son anniversaire. J'ai ri, ça va. Donc, il y a ça, ça c'est l'améthyste. Ça c'est l'œil de tigre. Voilà. Donc, quand tu mets sur le cou, ça protège aussi ton chakra du cœur. Oh, mon mari, mon chocolat. Mon chocolat. Il me l'a fait pas mon chocolat. Hein. Pardon. Oui, Baba, dis là comme ça. Bon. Passez une bonne journée. Hein. Plein de bénédictions sur vous, que vos activités marchent, que les nouvelles façons de voir les choses que vous, je vous ai donné aujourd'hui, que vous puissiez appliquer ça dans votre business. Et il y a les bracelets au Gabon, à Libreville. Je suis actuellement à Libreville et il y en a. Voilà, regardez. Voilà ça. Les œils de tigre, voilà ça. Ça, c'est à Libreville. Voilà. Que la sagesse que vous avez reçue aujourd'hui puisse déteindre ou encore s'étendre sur toutes vos activités au nom de Jésus. Oui. Je déclare que la prospérité sur vos activités. Que vous n'allez pas seulement prier, espérer sans pouvoir agir. Ceux qui avaient de la peine à payer peut-être leur dîme avant, je déclare aujourd'hui que votre esprit s'ouvre. Si vous avez peut-être des blocages mentaux ou encore émotionnels par rapport à la dîme, que ça s'ouvre, que vous puissiez payer votre dîme. Et que vous puissiez comprendre ce que vous êtes en train de faire. Donc, ça, c'est à... Je suis en train de vendre ça ici, là, au SAMU Social. SAMU Social Gabonais.
Bon, passez une bonne journée. Soyez bénis. Que la paix soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.